Je voudrais d'abord Ningependa kwanza bénir la présence de l'homme de Dieu Stéphane Munongo. Kumbariki mpendwa wetu Stéphane Munongo kwa kufika hapa. Dieu vous bénisse, papa. Mungu akubariki baba. J'étais avec lui dans une croisade sur le compte de 5e Selpa, plein évangile. Nilikuwa pamoja naye kwa mkutano wa 5e Selpa fasi moja hivi. Sur le terrain de ISP. Kule kwa kiwanja ya ISP. Je ne me rappelle pas de l'année, si c'est 2010. Si kumbuke mwaka lakini nilikuwa pamoja naye. 2017, hein? Voilà, 2017. Mwaka wa 2017. Oh, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Ça me fait un grand honneur de vous voir. Ah, inanipendeza sana kuona anakuwa kati yetu. On peut acclamer pour l'homme de Dieu. Tunaweza piga mikono kwa ajili yake. Lisons la parole de Dieu. Tunasoma maneno ya Mungu. Jean chapitre 14. Yohana sura yake ya 14. Le verset 5 à 6. Jean chapitre 14. Yohana sura yake ya 14. Le verset. Na mustari 5 wa 5 paka wa 6. Je vais d'abord lire en français et nous allons relire en swahili. Tutaanza na kifaransa na baadaye kiswahili. Jean chapitre 14 verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En swahili. Nous acclamons plus fort pour la parole de Dieu. Plus fort pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Vous écrivez le sous-thème d'aujourd'hui. Vous écrivez le sous-thème d'aujourd'hui. Munaandika somo letu la leo. Pour ceux qui écrivent le monde sous-marin. Kwa wale ambao wanaandika waandike maisha ya chini ya maji. Le monde sous-marin. Maisha ya chini ya maji. Hier on a terminé avec le monde des cimetières. Jana tulimaliza na maisha ya kwa makaburi. Nous parlons du monde sous-marin. Na kwa leo tutazungumzia maisha ya chini ya maji. Le monde sous-marin, maisha ya chini ya maji, c'est un monde qui existe. Ni dunia ambayo inakuweko. Ce monde ne se trouve pas dans l'eau, non. Ile dunia haipatikani ndani ya maji. La terre est comme ça, comme udongo nous sommes sur la inakuwa juu. Vous descendez, il y a l'eau. Unashuka kuna kwa maji. Vous traversez l'eau pour arriver là-bas. Unatambuka maji unafika kuile dunia ya chini ya maji. C'est un monde tellement vaste. Ni dunia ambayo inakuwa kubwa kabisa. Il y a des gens là-bas. Kuna kwa watu. Il y a des routes là-bas. Kuna kwa mabarabara. Là-bas, il ne pleut pas. Kule hakunyeshi mvua. Là-bas, il n'y a pas de soleil. Hakuna jua. C'est un monde qui est dirigé par une déesse. Ni dunia ambayo inaongozwa na son nom c'est la reine de Côte. Inaongozwa na yule shetani mke. C'est une très belle dame. Ni mwanamke mzuri kabisa. Ce monde que je suis en train de vous parler, dunia ambayo ninawazungumzia, Dieu ne peut jamais arriver là-bas. Watoto wa Mungu hawawezi kufika pale. C'est pas le monde de Dieu, non. Watoto wa Mungu hawawezi kufika pale. Je vous ai déjà dit au départ que il y a dans l'univers 8 mondes. Mais dans les 8 mondes, il y a seulement un seul monde qui appartient à Dieu qui est le paradis. Tiari nimewaambia ya kwamba kuna kuwa dunia munane. Na kwa hiyo dunia munane kuna kuwa dunia moja tu ambayo Mungu wetu anaiongoza. Les 7 autres mondes appartiennent à au diable. Zile zingine dunia saba zinakuwa za shetani. Alors, le monde sous-marin, dunia hii ya chini ya maji, c'est un monde, c'est exactement comme la terre ici. Ni dunia sawa na hii ambayo tunaishi ndani. Il y a beaucoup
beaucoup de gens là-bas. Munakuwa watu wengi kabisa. Il y a des routes là-bas. Kunakuwa mabarabara. Il y a des voitures là-bas. Kunakuwa metokari. On fait même les champs là. Kunakuwa na mashamba pia. On fait les champs même là-bas. Kunakuwa na mashamba pia. Ici sur la terre, hapa kwetu kwa dunia, il n'y a pas des usines ici, il y en a pas. Hakuna usine za kutosha. Ici sur la terre, hapa chini ya udongo, il n'y a pas de grandes industries, il y en a pas. Hakuna zile usine za kabambi kabambi. Les grandes usines, usine za kabambi kabisa, se trouvent là-bas. Zinapatikana kwa dans dunia ce ile. Sous-marin. Kwa ile dunia chini ya maji. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la majorité des choses que nous utilisons ici sur la terre, sababu mambo mengi ambayo tunatumikisha chini ya jua, ça vient de ce monde sous-marin. Inatoka kwa ile dunia ya chini ya maji. Les habits que nous portons, mavazi ambayo tumeivaa, les téléphones que nous utilisons, vyombo vya kuita watu ambao tunatumikisha, les appareils que nous utilisons, hizi vyombo ambavyo tunaziona, les médicaments, dawa ambazo tunazitumia, tout ce que nous utilisons ici sur la terre, mambo yote ambayo tunaitumikisha chini ya jua, ça vient de là-bas. Inatokea kwa yule ulimwengu ya chini ya maji. Bwana Yesu aturumie. Ce que vous voyez ici sur la terre. Mambo tunaona chini ya jua. Des petites usines, des usines, des industries. Bule bumaizine kidogo kidogo ambayo tunabuona. Ce sont les succursales. Ni mawakilisho tu. De ces grandes usines qui se trouvent là-bas. Zile usine kabambi kabambi ambazo zinakuwa chini ya maji. Semblant. Wanajifanyisha de fabriquer des petites choses ici sur la ya terre. Kwamba wameunda mambo mengine hapa chini ya jua. On fait semblant de fabriquer ces choses ici sur la terre. Sababu wanazifanya chini ya jua. Et une grande partie de ces choses là. Lakini sehemu kubwa ya ile vitu. Ça vient de ce monde sous-marin. Inatokea kwa ile dunia ya chini ya maji. On amène ça ici. Wanaileta sasa hapa kwa dunia. Tout ce que nous utilisons. Mambo yote ambayo tunaitumikisha. Tout ce que nous portons. Mambo yote ambayo tunatumia. Les chaussures, les habits. Viatu na mavazi yote ile. Les appareils, tout ça. Vyombo vyote ambazo tunavitumikisha ndani ya nyumba zetu vinatoka kwa ile dunia ya chini ya maji. C'est un monde que un enfant de Dieu. Ni dunia ambayo mtoto wa Mungu ne peut jamais arriver. Hauwezi kufikia hako. Mais c'est un monde. Ni dunia où presque beaucoup de gens partent là-bas. Ambayo watu wa kutosha wanaingia. Parce que c'est un monde qui n'a pas de conditions. Hakuna shurti. Ça n'a pas de conditions. Ni dunia ambayo haina shurti. Même un petit enfant part aussi là-bas. Hata mtoto kidogo anaweza kuingia ndani. De grands professeurs partent là-bas. Watu wa elimu wanaingia ndani. Les prêtres, les masseurs partent aussi là-bas. Wapadiri na waser wanaingia ndani. Les grands docteurs partent là-bas. Na wa docteur pia wanaingia huko. Les grands savants partent watu là-bas. Watu wa elimu ya kutosha kabisa wanaingia huko. C'est un monde que tout le monde part là-bas. Ni dunia ya watu wote wanaingia huko ambao wamemjua Mungu. Mais quand tu arrives là-bas, wakati unafika huko, tu peux connaître tout le monde avec leur nom. Unaweza kujua watu na majina yao. C'est différent ici sur la terre. Ni tofauti na hapa chini ya jua. Où je suis avec l'homme de Dieu mais je peux ne pas connaître son wakati nom. Ninakuwa na mpendo lakini ninaweza wala kujua jina lake. Tu peux être avec ton voisin mais tu ne connais pas unaweza son nom. Unaweza kuwa na mwenzako na hutajua jina lake. Mais dès que tu arrives là-bas. Lakini ukifika huko, tu vois ces gens là-bas. Utaona wale watu. Tu les connais. Utawajua wote. Eux aussi te connaissent aussi. Wao pia watakujua. Parce que bien aimé, écoutez très bien. Elewa ndugu yangu. Les données ne sont pas pareilles. Mambo yote haifanane. La terre a ses données. Mais c'est aussi à ses données. Inakuwa na mambo yake. Même quelqu'un. Hata mtu moja. Que tu n'as jamais rencontré ici sur la terre. Ambaye hujawahi kuona chini ya jua. Et que tu te retrouves là-bas. Mukimkuta huko. Et que tu le vois. Ukimuona. Il te connaît avec ton nom. Utamujua na yeye atakujua kwa jina. Et quand vous allez revenir ici sur la terre. Wakati mnarudia chini ya jua sasa kwa udongo. Il te connaît aussi. Atakujua. Il se dit, mais où est-ce que je connais cet homme-là? Atajiuliza, huyu mtu nilimuona wapi? Na anakumbuka mara moja mlionana huko kwa dunia ya chini ya maji. Et quand il te connaît comme ça, na wakati amekujua hivyo, il ne dit rien. Hata sema lolote. Et toi aussi quand tu le connais aussi, tu ne dis rien. Wewe pia hutasema lolote. Parce que la force, sababu nguvu, des enfants du diable, ya watoto wa shetani, c'est la discrétion. Ni siri. C'est la discrétion. Ni siri. Et d'ailleurs, la discrétion siri fait partie des caractères
caractéristique de la maturité spirituelle. Ya tabia za wale ambao wamekomaa kiroho. On saura que tu as la maturité spirituelle. Watajua ya kwamba unakomaa kiroho. Par ta manière de conserver. Kwa hali yako ya kukua na siri. Par ta manière d'adopter. Ile hali yako ya kuwa na siri. La discrétion. Ile siri. C'est différent pour nous les enfants de Dieu. Tafauti na sisi watoto wa Kristo. Où nous parlons beaucoup. Tunasema mingi. Et aussi longtemps que tu parles beaucoup. Ukisema pia ya kutosha. Dieu traitera avec toi seulement dans des plus petites choses. Ah, Mungu atatembea na wewe mu bubitu kidogo kidogo tu. Même si tu pries comment, tu jeûnes comment. Hata kama unaweza kuomba na kufunga sana. Tu parles beaucoup là. Lakini sababu nasema mingi. Ta bouche n'a pas de frein. Kinywa yako haina mipaka. Dieu va traiter avec toi seulement dans des Mungu petites choses. Mungu atazungumza na wewe na kutumika na wewe kwa vitu vidogo kabisa. Dieu ne va pas t'amener dans des grosses choses. Mungu hawezi kupandisha kwa mambo makubwa. Parce que lui-même Dieu se dit si déjà pour des petites choses que je te montre tu parles. Sababu atakuwa na mashaka. Huyu mtu kwa mambo madogo anasema mingi. Quand je te montrerai des grandes choses. Wakati ninaweza kumuinua kwa mambo mazito. Parce que je vous ai déjà dit que ce ne sont pas toutes choses que le Seigneur nous fait voir, nous montre que nous devons dire. Kwani sio kila kitu ambao Mungu ametufunulia anaturuhusu pia kuisema. Donc ce monde là est dirigé par cette déesse. Ile dunia ambayo inaongozwa na yule shetani mke. Son nom c'est la reine de Côte. Dunia yake ni reine de Côte. C'est une très belle dame. Ni mwanamke mzuri kabisa. Elle ne vieillit jamais. Haijawahi kuzeeka. Elle est toujours très belle. Anakuwa mzuri siku zote. Il n'y a pas une femme ici sur la terre qui est belle comme chini elle. Chini ya jua hakuna mwanamke mzuri kama na yule déesse. Il y en a pas. Hakuna. Elle est tellement belle. Anakuwa mzuri kabisa kabisa. Et elle aussi. Yeye pia. Elle parle toutes les langues. Anasema lugha zote. Elle n'a pas besoin d'interprète. Ana haja ya mtafsiri. Tu arrives là-bas, tu parles le swahili, te parles le unafika kule unasema lugha yako na yeye anaisema. Kama ni Kiingereza anasema Kiingereza. Kama ni Kichina anasema Kichina. Lugha zote za dunia anajua. Elle n'a pas besoin d'un interprète. Ana besoin ya mtu atamtafsiri. Trois semaines après mon ordination. Juma tatu baada ya kubarikiwa kwangu. Le diable est venu. Shetani alifika. Je vous ai dit que le diable n'existe pas seulement spirituel, non. Niliwaambia shetani haiko tu kiroho. Il est aussi physique. Anakuwa pia na mwili. C'est un bon monsieur. Ni mtu mzuri kabisa. La beauté physique, la beauté. Anakuwa na sura nzuri ya mwili. Il y a pas un homme qui est beau comme le diable. Hakuna mwanaume anaweza kulinganishwa na shetani. Ce que vous montre quelqu'un avec des cornes comme ça là c'est faux. Wanaweza kumchapa na mapembe lakini haiko kweli. Oh monsieur, la beauté physique. Kijana mzuri kabisa shetani. Kwa sura na maumbio pia. Trois semaines après, juma tatu baadaye kubarikiwa kwangu. Le diable est arrivé physiquement. Shetani alifika na hali ya kimwili. À la paroisse. Anafika kwenye parokia. Vers 9h. Saa 3 za mchana. Il me dit. Ananiambia. Charles, je viens te prendre ninakuja kukuchukua pour t'amener kwa kukubeba et te présenter l'un de mes royaumes kukuonyesha falme zangu. Je viens te prendre ninakuja kukuchukua pour t'amener kukukubeba et te présenter kukuonyesha l'un de mes royaumes mojawapo ya ufalme wangu. Et pendant qu'il parlait na wakati alikuwa akisema et qu'il est en train de marcher alikuwa akitembea j'étais derrière lui. Nilikuwa nyuma yake. En faisant seulement quelques pas. Kwa kufanya hatua kidogo nyuma yake. On s'est retrouvé là-bas. Tulijikuta mara moja tunakuwa kuzimu. Pendant qu'il parlait et qu'il wakati alikuwa akisema nikimfuata. Moi aussi je marchais. Na mimi nilikuwa nyuma yake. Comme ça. Ile tu ikatufikisha mara moja kuzimu. Quand on s'est retrouvé là-bas. Wakati tulikuwa huko. Je voyais les gens. Niliona watu. Beaucoup de gens. Watu wengi kabisa. Mais mon étonnement c'était quoi? Mshangao wangu ilikuwa ces gens là-bas wale watu ne s'intéressaient même pas au diable. Hawakuangaikia shetani. Et ils ne s'intéressaient même pas à moi. Hawakuangaikia pia. Les gens passaient à côté. Walikuwa napitapita karibu yetu. Walipitapita tu hawatuangaikii. La chose se faisait comme si chacun était tellement préoccupé. Kila mtu alionyesha ya kwamba anakuwa na jukumu zake. Chacun était tellement préoccupé. Kila mtu na jukumu zake. Il n'y a même pas moyen de s'occuper du diable. Hakuna muda ya kuangaikia. C'est différent quand vous arrivez dans un village pour la première fois. Tafauti na wakati unaweza kufika nafasi kubwa. Et que vous êtes en train de marcher. Wakati unaendelea kutembea. Les gens vont vous regarder. Watu watakuangalia. Les gens vont vous fixer. Watu watakuangalia kabisa. Mais là-bas, c'était pas comme ça. Lakini kule haiko vile. Les gens ne me regardaient même pas. Watu wanijali.
Les gens ne regardaient même pas le diable. Ils étaient tellement occupés. Kila mtu anakuwa na shughuli zake. Et le diable m'a amené. Shetani akanibeba. Nous sommes entrés dans une grande maison. Tukaingia ndani ya nyumba kubwa. On n'a pas de maison ici sur la terre. Hapa chini ya jua hatuna manyumba. Une très grande maison. Nyumba kubwa kabisa. Et quand nous sommes entrés dans cette maison. Na wakati tuliingia ndani ya nyumba ile. C'est là où j'ai vu maintenant la reine maintenant. Ni huko niliona yule mfalme wa kike. Assise maintenant sur une grande chaise. Anaketi kwa kiti kubwa kabisa nzuri. Très belle. Mwanamke mzuri kabisa. Alors le diable vient. Shetani akafika. Et le diable lui dit. Shetani anamwambia. Tu vois Charles? Unaona Charles? Je t'amène Charles. Ninakuletea Charles. Pour que tu puisses le former. Kwa sababu umuforme. Je t'amène Charles pour que tu puisses le former. Ninakuletea Charles kusudi umufunze. Et après il me dit Charles. Baadaye ananiambia Charles. Moi je pars. Mimi ninaenda. Je suis tellement occupé. Moi je pars. Niko na shughuli nyingi kabisa. Et il part. Yeye Shetani akaenda. En faisant quelque part. Akafanya hatua kidogo. Il retourne encore. Akarudia mara tena. Il dit Charles. Ananiambia Charles. Prends ceci. Kamata hii. Il me donne quelque chose. Ananipa kitu moja. C'est comme un écouteur. Ni sawa vile écouteur tunatia kwa masikio. Il me dit, mets ça sur ton oreille. Tia ile kwa masikio ya kwako. Ça va te permettre d'être toujours en connexion avec moi. Itakusaidia kuzungumuza saa zote na mimi. Pour que tu ne sois pas dérangé. Kusudi mtu mmoja asikusumbue. Mets ça. Tia ile. J'ai pris la chose comme l'écouteur. Nikachukua ile kitu nikatia kwa masikio ya kwangu. Mais quand j'ai mis sur mon oreille. Wakati nilitia kwa masikio. Je commençais à écouter maintenant les gens qui parlaient sur la terre ici. Nilianza kusikia sauti za watu ambao wanasema chini ya jua. Et pourtant j'étais là-bas. Japo hiyo nilikuwa kwenye dunia ya chini ya maji. Lakini ile ekutere. J'écoutais les causeries des gens sur la terre. Ilinisaidia kusikia mambo yote ambayo nasemeka chini ya jua. Les bruits des voitures qui passaient. Hizi gari zote zinapita chini ya jua. J'écoutais ça. Nilizisikia. Mais comme ça ne me concernait pas. Lakini ikunihusu ile. Je ne tiens pas compte de ça. Sikuhangaikia ile mambo. Et lui il est parti. Na Shetani akaenda zake. Alors la reine me dit. Ule mfalme mke akasema. Charles. Tu as la chance. Unakuwa na bahati. Tu as la chance. Uko na bahati wewe. D'habitude, tabia yako. Les gens ne viennent pas directement vers moi. Watu hawakujake tu huku na kufika kwangu mimi. Pour venir vers moi. Kwa kufika kwangu mimi. Les gens doivent passer par mes protocoles. Watu wanapasha kupita kwa garde corps ya kwangu. Les protocoles. Ile protocole yangu yote. Les protocoles. Na wale wa garde wangu. Ce sont les sirènes là que les gens voient souvent sur l'eau. Chaque matin, le soir, une partie homme et l'autre partie poisson. Ni zile mamba mutu ambazo watu wanaziona kwa maji, magharibi wala saa fulani, sehemu moja ni mutu, sehemu ingine ni samaki. Chez nous en Centrafrique, on les appelle les mamiota. Kwetu Afrika ya kati wanaziita mamiwata. Une partie comme ça, homme ou bien femme. Sehemu moja, mtu, na sehemu ingine ni samaki. Il y a des gens qui peuvent les voir même sur l'eau. Watu wanaweza kuiona juu ya maji wala safu fulani fulani. Ce sont les protocoles de cette déesse là. Wale ndio wa garde du corps wa ule mfalme mke wa kule chini. Et la déesse me dit que d'habitude pour que les gens viennent vers moi, kawaida, ils doivent passer par mes protocoles. Kawaida kusudi watu wafike kwangu mimi wanapaswa kupitia kwanza kwa wale wa garde wangu. Wa kwa wale masirene ambao wanakuwa. Ce sont ces sirènes là qui conduisent ces gens vers moi. Na wale sasa wa protocole ndio watakuleta kwangu mimi. Charles. Sasa nasema wewe Charles, unakuwa na bahati. Parce que la personne qui t'a amené aliyekuleta kwangu mimi. La personne qui t'a amené directement vers moi. Walikuleta mara moja kwangu mimi. C'est notre grand maître. Ni yule mwalimu wetu mkubwa kabisa. C'est notre grand maître. Ni mwalimu wetu wa ajabu. Parce que là-bas. Kule chini. On n'appelle pas ce monsieur là le diable, non. Abamuite Shetani hapana. On n'appelle pas Satan, non. Abamuite Shetani hapana. On n'appelle pas Lucifer, non. Abamuite Lucifer hapana. On n'appelle grand maître. Wanamuita mwalimu mkubwa. Grand maître. Mwalimu mkubwa. Bwana Yesu aturumie. Allô, la déesse dit. Yule mke mfalme mke anasema. Tu as la chance parce que la personne qui t'a amené c'est notre grand maître. Unakuwa na bahati sababu mwalimu mkubwa ndiye alikuleta. Allô, il dit bon. Anasema, avant que je te donne la formation, kusudi ni kufundishe weye, viens d'abord. Kuja kwanza. Que je te montre maintenant notre royaume. Nikuonyeshe ufalme wetu huku ambako tunakuwa. Que je te montre d'abord notre royaume. Nitakuonyesha ufalme wetu. Alors elle s'est mise debout. Akashimama. Et moi aussi. Na mimi pia. On a commencé à marcher. Tulianza kutembea. On a marché. Tulitembea. On est parti. Tukaenda. Et
Nous sommes entrés dans une grande maison. Tukaingia ndani ya nyumba kubwa kabisa. Une grande maison. Nyumba kubwa kabisa. C'est comme un grand usine. Ni sawa vile usine kabambi kabisa. Il y a des machines. Kuna kuwa machine za kutosha kabisa. Il y a des gens qui kuna kuwa watu ambao wanatumika ndani ya ile usine. Nous sommes entrés dans cette grande maison. Tukaingia mule ndani ya ile nyumba kubwa. C'est plus grand que cette église. Ni kubwa zaidi ya hii kanisa yetu. Grande usine. Izine kubwa kabisa. Watu wanakuwa ndani na mamashine pia zinakuwa ndani. Alors, j'étais maintenant à côté d'elle. Nilikuwa karibu yake. En train de regarder le mouvement. Nikiangalia mambo jinsi itaendeka. Le travail là. Jinsi kazi inaendeka. Je vois les gens. Nikaona jinsi watu wanafanya kazi. Watu wanafanya kazi. Alors, je regardais. Nikaangalia. Je voudrais regarder, jetais mes yeux à l'angle de la tafuta angalia kwa pembe ingine. Je regarde. Nikaangalia. Qu'est-ce que je vois? Nini nikiliona? Je vois les parties génitaux des hommes. Nikaona sehemu ya siri ya wanaume. Et les intestins des bébés. Na matumbutumbo ya watoto. On a entassé ça comme ça. Wanaifunga juu ya makamba. On a entassé ça des pénis. Wanailundika fasi moja. Des parties génitaux, c'est-à-dire des pénis des hommes. Oui, ile sehemu za siri za wanaume. Entassé comme ça. Wanazitia zote kule. Avec les parties, les intestins des bébés. Na matumbutumbo ya watoto. Ça pourrit, ça donne une mauvaise odeur. Kuoza na inatoa harufu kabisa. Je ne pouvais même pas regarder ça avec mes yeux. Sikuweza kuangalia na macho yangu. On fait passer ça dans des tuyaux. Wanaipitisha ndani ya matiyo za kwao. Ça passe dans des tuyaux. Inatembea ndani ya matiyo. Ça passe dans des machines. Inatembea mu machine. Ça passe dans des machines. Inatembea mu machine. On fait les sardines avec ça. Inaendelea mpaka mwisho. Ça passe dans des boîtes. Inapita ndani ya mabwate. Et il y a des gens qui arrangent dans des cartons. Watu wanazitengeneza ndani ya makarton. Et on stocke ça. Na wanatia stocke zao. Sardine. Inakuwa sardine. Des parties, les parties génitaux des hommes pourris. Sehemu za siri za wanaume za kuoza. Et les intestins des bébés. Na matumbo ya watoto ambayo inaoza pia. Des tas comme ça. Sehemu ya kutosha kabisa ambayo inalundikwa fasi moja. Tu ne peux pas regarder ça. Hauwezi angalia ile mambo ilikuwa na harufu ya ajabu. Quand j'ai regardé. Wakati niliangalia. Je vois ça passe dans des tuyaux. Ninaona inazunguruka ndani ya matiyo. Des machines. Inatembea ndani ya mamashine. Ça passe dans des machines. Inatembea ndani ya mamashine. Ça passe, ça passe. Inatembea ndani ya mamashine. On fait passer ça dans des boîtes. Inafika ndani ya mabwate. Et y a des gens qui sont en train d'arranger. Watu wanaitengeneza vizuri kabisa. Et on est en train de stocker ça. Na wanastoke masardine pale. Alors. Baada ya hiyo. Ce ne sont pas toutes les marques de sardines, non. Aiko aina zote za sardine hapana. C'est trois marques de sardine. Inakuwa modele tatu tu. La sardine qu'on appelle la sirena. Sardine ambayo inaitwa sirena. Vous allez trouver dans des boutiques. Munaweza ikutana ndani ya maboutique. Vous allez trouver la sardine qu'on appelle la kiberonaise. Tiberonaise. La kiberonaise. Vous allez trouver ça dans des boutiques. Ndani ya maboutique zinakuwa. La sardine qu'on appelle la mermaid. Oui, sardine ambayo inaitwa mermaid. C'est trois marques de sardine. Ile sardine sorte tatu. Ne mangez pas ça. Usitumie. Tous les magiciens ne mangent jamais ça. Watu wote wa madawa hawaitumie ile sardine. Tous les prêtres ne mangent jamais ça. Wapadiri wote hawatumie ile sardine. Toutes les masseurs ne mangent jamais ça. Wasere wote wa kumaparuasi hawatumie ile. Mais quand vous arrivez chez eux. Lakini ukifika kwao. Vous allez trouver ça des cartons, des cartons. Utaikutana ya kutosha kabisa huko kwao. Ils vont vous donner gratuitement. Wanakupatia kusawa vile msaada. Alors. Baada. J'ai posé la question à la déesse. Nikauliza huyo mfalme mke. Ça c'est quoi ça? Hii ni nini? La déesse me dit Charles. Ananiambia Charles. Tu as déjà vu. Umekusha kuona. Ce sont les parties génitaux des hommes et les intestins des bébés. Ni sehemu ya siri ya wanaume na sehemu ya matumbutumbu ya watoto. Que nous entassons ici. Ile tunalundika pale. Et que nous faisons avec ça les sardines. Tunafanya pamoja na ile sardine za. C'est trois marques de sardines que je viens de citer le nom ici. Ni ile masardine ambayo tunatoka kusema hapo. Pour envoyer ça sur la terre aux humains. Kwa kutumia watu chini ya jua. Pour que les humains puissent manger ça. Watu wa kawaida waitumie wakule. Je lui ai posé la question. Nikauliza swali. Mais pourquoi vous faites ça? Kwa nini mnafanya ile? Elle dit, Charles. Anasema, Charles. Tu ne sais pas que les gens de la terre nous dérangent beaucoup. Aujue kama watu wa duniani wanatusumbua. Je dis, oh. Les gens de la terre vous dérangent avec quoi? Wanawasumbua kwa nini? Elle dit. Anasema. Les gens de la terre nous dérangent beaucoup avec leurs prières. Wanatuuzi kwa maombi yao. Mon ami.
mpendwa. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux. Mungu angekufungua macho. Pour voir les dégâts que cause ta prière. Kusudi uone yale ambayo yamekuwa matokeo ya maombi yako. Tu devrais être dans la joie. Ungekuwa ndani ya furaha kabisa. Tu devrais être dans la joie. Ungekuwa ndani ya furaha kabisa. Crois ta prière. Amini maombi ambayo unamuombea Mungu. Crois ta prière. Amini yale maombi ambayo unayaomba. Ta prière là. Maombi ile ambayo unaomba. Ni nafanya mambo ya ajabu sana huko chini. Ile maombi ambayo naomba. Ni bombe ya ajabu. Ya ajabu. Amini ile maombi. Amen, amen. Elle a dit, c'est parce que les gens de la terre nous dérangent avec leur prière. Alisema sababu watu wa dunia wanatuuzi na maombi. Mon ami. Mpendwa. Ta prière là. Maombi yako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. C'est une bombe terrible. Inakuwa bombe ya ajabu. Une bombe terrible. Bombe ya ajabu. Amen. Un jour. Siku moja. Comme tous les lundis. Sawa na kila siku ya kwanza. Comme tous les lundis. Sawa vile siku ya kwanza zote. C'est le diable lui-même qui travaille. Ni shetani peke yake anatumika. Et que. Tous les lundis là. Kila siku ya kwanza. Tous les lundis qui arrivent. Kila siku yote ya kwanza. C'est lui seul qui travaille. Yeye shetani yeye peke anatumika. Et tous les lundis. Kila siku ya kwanza. À partir de 16h. Tangu saa 10 za mchana. Il y a l'adoration au diable. Kunakuwa maabudu kwa ajili ya shetani. L'adoration commence à 16h. Maabudu inaanza saa 10 na za jioni. Nous arrivons à 14h. Tunafika sisi saa 8. À 14h tout le monde est déjà. Saa 8 tayari tunakuwa pale. On se réunissait dans des salles, dans des grandes salles. Tulikuwa nakutanana mu sale kabambi kabambi. Dans des grandes salles là. Kunakuwa sale za kabambi kabambi. Le magicien. Wa magicien. Le grand sorcier. Wachawi wakubwa. Le grand marabout. Ba fumu bakubwa. Tous les enfants du diable. Watoto wote wa shetani. Vous allez voir que le magicien il s'assoit à côté du sorcier, le sorcier s'assoit à côté du marabout. Tout le monde, et puis il n'y a pas de problème. Hein? Parce wote que c'est nous les enfants de Dieu qui aimons beaucoup nous diviser. Bale bachawi na ba fumu na ba lozi bote banasogeleana. Lakini ni sisi watoto wa Mungu ndio tunakuwa tunaachana. C'est nous qui aimons nous diviser. Si ndio tunaachana, lakini hawa hawaachani. Watoto wa shetani wanaungana sana. Allô? On était déjà dans l'adoration là. Hier, tunakuwa mwile maabudu. Et la personne qui doit venir en retard. Mutu ambaye anafika nyuma. C'est le diable lui-même. Ni shetani peke yake. Si ce jour-là il y a pas le diable. Kama siku ile haiko shetani ndio atahudumia. Lui il n'est pas omniprésent non. Yeye haiko wa kuwa fasi zote hapana. Il n'est pas omniprésent non. Haiko wa kuwa fasi zote. Donc parfois il n'est pas là. Anaweza kuwa pia haiko. Alors c'est son adjoint qui est là. Ule wa chini yake sasa anahudumia. Je vous ai dit que la deuxième personnalité. Niliwaambia mtu wa pili baada ya shetani. Son nom c'est Dramalek. Ni jina yake ni Dramalek. C'est le roi de l'église catholique. Ni mfalme wa kanisa ya kikatolika. L'église catholique est fondée basée sur lui. Kanisa ya kikatolika inaundwa kwa ajili ya ule. Ce n'est pas pour l'apôtre Pierre. Haiko juu ya mtume Petro. Lui même l'apôtre Pierre. Yule mtume Petro. Quand il est né. Wakati alizaliwa. Les catholiques existaient déjà. Wakatolika walikuwa tayari wamekusha anza. Alors, ce jour-là, c'était le diable lui-même qui était là. Siku ile ni shetani peke yake alikuwa pale. Et pendant cette adoration, na wakati wa ile maabudu, on ne chantait pas Alléluia, Amen. Hatukuimba Alléluia, Amen, hapana. Tu vas commencer comment? Utaanza avec Alléluia. Ile maalleluya utaibeba wapi? Les chansons là-bas, ce ne sont pas les chansons que nous chantons ici. Wanakuwa na nyimbo zao, hapana hizi zetu. Non, non. Hapana hizi zetu za kanisani. Ce sont des musiques douces. Ile muziki ambayo inatulia tulia ile. Parfois on met les chansons de Wera Sona, Fali Pupa un peu. Zile muziki za wa musiciens ambao mnawajua. On met aussi de l'autre musicien. Luambo Mekadi. De Koffi Olomide, voilà. Koffi Olomide. Ah, vraiment les musique chansons de Koffi Olomide. On met ça beaucoup là-bas. Yule kostare kule chini yule. Ce sont des chansons comme ça. Nyimbo zake zinavuma kule. Alors, quand on met les chansons, wakiweka zile nyimbo, tout le monde, kila mtu. Parce que tu ne peux pas fixer le diable ou bien son adjoint qui est assis sur une grande chaise là-bas. Tu ne peux pas le fixer. Hawezi kumtizama shetani ama yule wa chini yake kumwangalia kabisa.
tout le monde à genoux watu comme ça. Magoti chini. Et on regardait seulement par terre. Wanaangalia wote chini. On peut me faire même des heures du temps comme munaweza ça. Fanya hata saa mbili pale. Mon ami, nous jouons avec notre Dieu. Wapendwa tunacheza na Mungu wetu. Dis à ton voisin, tu joues avec ambia notre mpendwa aliye karibu yako, tunacheza na Mungu wetu. On était assis hein, à genoux comme ça, la tête. Parce que tu ne peux pas regarder. Tulikuwa tunapiga magoti na hatuwezi kumwangalia mfalme wetu shetani. Tu es qui pour regarder le monsieur? Unakuwa nani kusudi muangalie yeye? Alors, pendant cette adoration, kwa maombezi ile, on voulait voir comme ça. Tulitaka kuangalia hivi. La musique s'est arrêtée. Muziki ilikata. Et on voulait regarder encore. Tukajaribu kuangalia tena. Les lumières aussi s'est éteinte aussi. Mwangaza nayo kazimika. Inazimika mara moja. On est resté dans le noir. Tukabakia kwa giza kabisa. Alors le diable a dit, Shetani akasema, mettez-vous debout. Mshimame. On s'est mis debout. Tukashimama. On a commencé à se regarder. Tukaanza kuangaliana. Dans le noir. Kuangaliana lakini mugiza. Alors le diable a dit, Shetani akasema, il a pris quatre personnes au milieu de nous. Watu wine kati yetu, il a dit, akasema, allez vérifier à côté, à côté de la maison. Kule pembeni pembeni à côté ya de là nyumba, allez vérifier. Angalie. Qu'est-ce qui se passe? Nini natokea kule? Quand les quatre sont partis, wakati wale watu walienda ine, pour vérifier, kuangalia, ils se sont rendus compte waliona ya kwamba, que y a un pasteur. Kulikuwa mchungaji moja. Il est venu chez les voisins. Alikuwa pembeni kwa jirani et pembeni pale. Il était prié pour les voisins. Walikuwa naombea yule jirani wa ile nyumba ambayo walikuwa ndani. Ne sait même pas qu'on était là à côté. Mchungaji yeye ayu hata kama ba shetani na mambo yapo biko mule mu ile nyumba. Hakujua lolote. Mais il était avec les voisins. Alikuwa mule mwa jirani. Prié pour les voisins. Anaombea yule jirani. Et quand il a dit oh, Jésus, wakati alisema kwa jina la Yesu. La lumière s'est éteinte. Mwangaza yote kazimika. Tout est maintenant bloqué. Alléluia. Mwangaza ikazimika. Mon ami, crois à ta prière. Mpendwa, amini maombi ambayo unaiomba. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Ambia ile kwa jirani yako. Ambie, uamini maombi ambayo unaiomba. Dis encore. Sema tena ile. Encore. Sema tena ile. Encore. Sema tena ile. Parce que il y a des gens qui disent que non, c'est seulement la prière du pasteur qui est efficace. Wamoja wanasema ni maombi ya mchungaji tu ndio inakuwa na nguvu. Oui, la prière du pasteur c'est aussi efficace. Ni kweli inakuwa na nguvu. Ta prière aussi. Lakini na yako wewe pia. C'est efficace aussi. Nayo iko na nguvu. Alléluia. Le pasteur ne sait même pas que on était là à côté. Mchungaji hakujua kama shie na ile vikosi ya shetani tuko pale pembeni. Il ne savait rien. Hakujua lolote. Et même les voisins. Hata yule jirani hakujua ile habari. Il ne savait rien. Hawakujua lolote. De notre existence. Hawakujua kama tuko mule ndani. Mais le pasteur était en train de prier pour les voisins là-bas. Lakini alikuwa tunaombea yule voisin ambaye alikuwa pale. On a de Jésus. Jina la Yesu. Pale lumière. Mwangaza yote nazimika. La musique bloquée. Muziki nayo ikakata. Wa, on était dans le noir. Tukabakia kimya na hakuna mwangaza. Alors, les quatre personnes sont revenues. Wale wajumbe ine wakarudia. Ils nous ont fait le rapport. Wakatupatia ripoti. Que y a un pasteur qui est... Pale pembeni kuko pasteur mwenyeko naombea jirani pale. Amen, amen. Quand il a dit ça, wakati walisema ile, alors, tout le monde se disait en lui, moi aussi je me disais, kila mtu akajambia ndani yake, comme le pasteur à côté, sababu pasteur anakuwa pembeni, notre grand maître va aller traiter avec oyu, mwalimu wetu mkubwa ataenda kutumika ule mtu kule. Notre maître lui-même, comme il est là, là sababu iko hapa shetani peke yake, il va aller traiter avec le pasteur. Ataenda kuarrange na ule pasteur kule. Mais, à notre grande surprise, lakini kwa mshangao mkubwa, le diable est resté calme, shetani akabakia kimya. Amen, amen. Alléluia. Il est resté silencieux. Akabakia kimya kabisa. Après, il désigne six personnes. Akachagua tena watu sita. Il dit, allez arranger ce cas là-bas. Mwende mutatue ile tatizo kule. Allez terminer avec ce pasteur. Mwende mumalizane na ule pasteur kule inje. Alors, les six personnes sont parties. Wale watu sita walienda. Mais ils arrivent. Wakati walifika,
Le pasteur était dans au salon là-bas avec la famille. Kwenye salon. La porte c'est ici. Na mlango ni hapa. Alors quand ils sont arrivés ici, wakati walikaribia pale, quand ils voulaient avancer, wakati walitaka kuendelea mbele, ils reculaient. Walijikuta wanarudia nyuma. Ils voulaient avancer. Walitaka kuendelea mbele, reculaient. Lakini walirudia nyuma. Alléluia. Tous ces gymnastiques là, ile mambo yote ilifanyika hivyo. Et le pasteur. Ule pasteur. Et les gens qui étaient dans la maison. Na wale watu walikuwa ndani ya nyumba, hawakujua lolote. Hawakujua lolote. Kumbe vite naendelea kupigana hapa nje. Kumbe vite napigana hapa nje. Le pasteur et les gens là. Pasteur na wale watu hawakujua lolote. Mon ami, si tu savais comment Dieu mupendo ungejua jinsi gani Mungu anakupigania. Si tu savais comment Dieu combat. Ungejua jinsi Mungu anavyokupigania wewe. Si tu savais, ingekuwa unajua. Ingekuwa unajua jinsi Mungu anakutetea. Ungekuwa unamtegemea Mungu wetu. Amen, amen. Mais au lieu qu'il retourne, pari warudie. Parce que les gens du diable, ils sont tellement têtus. Watu wa shetani wanakuwa na kiburi kabisa. Vous avancez mais on vous recule. Wanapima kwenda wanarudishwa. Au lieu de partir. Pari ya waende. Ils continuent à insister. Wanaendelea kupima pima tu. Pendant qu'ils insistent. Wanapima pima tu. Cette fois-ci. Mara hiyo. Ils sont tombés tous par terre. Wakaanguka chini. Ils sont tombés. Wakaanguka chini. Quand ils sont tombés. Wakati walianguka. Quelques minutes. Baada kidogo. Ils se sont mis debout. Wakashimama. Ils sont rentrés. Wakarudia. Ils arrivent. Walifika. Tellement fatigués. Wamechoka kabisa. Vous voyez des gens qui. Unawaona wanapumua kwa pumzi ya mchoko kabisa. Wamechoka sababu ilikuwa vita vikali. On les a regardés, on a dit c'est quoi là-bas? Tunajaribu kuangalia tunaona ni nini litokea. Alors ils ont fait le rapport. Wanatupatia ripoti. Que vraiment là-bas. Kule inje kule. Y a pas moyen. Kule hakuna njia kule. On peut même pas approcher. Hatuwezi kusogelea. Y a pas moyen là-bas. Hakuna namna. Bwana asifiwe sana. Alors on se disait comme tukaanza kujiambia hivi kunakuwa comme ils ont échoué. Sababu wameshindwa. Cette fois-ci c'est le maître. Mara hiyo ni yeye peke ndio ataenda. Le grand maître lui-même qui va. Mwalimu yeye peke ndio ataenda. Alors lui le diable il reste là. Shetani yeye akabakia tu pale. Il regarde. Anaangalia. Et après il nous dit. Anasema pour aujourd'hui. Kwa leo y a pas d'adoration. Maombi ni si hapo. Alléluia. On pensait qu'il allait dire que bon, attendez. Tuliwaza, moi, je pars là-bas. Ata tuambia, acha mie peke niende. Mais il reste là, il regarde. Lakini anasema. Il dit bon, pour aujourd'hui. Kwa leo, adoration ni ici. Adoration, ça va comme ça. Inaisha kabisa. Vous pouvez rentrer. Murudi. Alors, on était sortis. Tukatoka. On était partis. Tukaenda. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que. Ta prière. Ni kusema ya kwamba maombi yako. Crois à ta prière. Uamini ile maombi ambayo naomba. Quand tu pries. Wakati unaomba. Crois ça. Uamini kwa ile maombi. Crois ça. Uamini kwa ile maombi. Dis à ton voisin, crois ça. Ambia jirani yako, amini crois. Maombi yako. Crois. Amini maombi yako. Crois ça. Amini maombi yako. Et la déesse a dit. Yule mfalme mke akasema. Les gens de la terre nous dérangent avec leurs prières. Voilà pourquoi ndiyo maana, nous faisons ces sardines là. Tunawatengeneza hizi sardine. Ces trois marques de sardines. Hizi modele tatu za sardine. La sirena. Sirena. La tiberonaise. La marmède. Marmède. Nous faisons ça. Tunaitengeneza. Pour envoyer ça sur la terre. Tunawatumia hayo kudunia. Pour que ces gens puissent manger. Pale batu baikule basi. Alors, je lui ai posé la question. Nikamuuliza swali. Mais quand il va manger? Wakati watakula. Après, c'est quoi? Baada itakuwa nini? Quand il va manger après, wakati c'est quoi? Wakati wanakula baada itakuwa nini? Elle dit. Anasema. Quand il va manger? Wakati watakula. Il aura deux effets. Kutakuwa mambo mawili. Qui vont se manifester dans leur vie. Ambayo itonekana katika maisha yao. Le premier effet. Tendo la kwanza. Quand ils mangeront ces sardines, wale ambao takula ile sardine, ils seront initiés à la sorcellerie inconsciente. Watakuwa wachawi bila wao kujua.
C'est-à-dire que ton papa n'est pas sorcier, ta maman n'est pas sorcière, toi-même, en mangeant ces sardines-là, la nuit, tu commences à voler comme un oiseau. Muzazi haiko mchawi, lakini sababu likule le sardine, unakuwa na we mchawi wa kwanza na naruka usiku. Le premier effet. Tendo la kwanza. Quand il mangera ses sardines, wakati watakula zile sardine, il sera initié à la sorcellerie inconscient. Uchawi pasipo wao kutaka. Pose la question à ton voisin. Uliza jirani yako. As-tu déjà mangé ces sardines? Tiyari umekula ile sardine? Encore, encore. Uliza tena, uliza tena. Encore, pose. Tiyari umekula ile sardine? As-tu déjà mangé? Uliza tena, tiyari umekula ile sardine? Le deuxième effet, tendo la pili, elle dit ceci. Anasema hivi yule mke. Quand ils mangeront ces sardines, wakati watakula le sardine, ils seront toujours charnels, 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 même s'ils sont dans des églises. Wataendelea kuwa wabaya hata kama wanaendelea kuwa ndani ya makanisa. Ils seront toujours charnels, charnels, wataendelea kuwa wabaya hata kama wanaendelea kuwa ndani ya makanisa. Même s'ils ont fait 100 ans dans l'église. Hata kama wamefanya miaka 100 ndani ya kanisa. Il va écouter la prédication du pasteur. Watasikia mahubiri lakini kwa kuzembea. Il va chanter charnellement. Wataendelea kuimba lakini kwa kuzembea tu. Il va même donner charnellement. Wataendelea kuabudu kwa ujanja tu. Il va même danser charnellement. Watacheza kwa ujanja tu. Il va tout faire. Watafanya mambo yote kwa ujanja kabisa. Il ne sera jamais spirituel. Hawatakuwa kiroho hata siku moja. Hata siku moja. Jamais spirituel. Hata siku moja. Il ne sera jamais spirituel. Hawatakuwa kiroho hata siku moja. Charnel. Watakuwa kimwili. Il écoute la prédication charnellement. Wanasikia mahubiri kimwili tu. Il va chanter les cantiques charnellement. Wataendelea kuimba kimwili kimwili tu. Il va même danser charnellement. Wataendelea kumchezea Mungu lakini ni kimwili. Tu 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 tu. Charnel. Mambo yao yote kimwili. Même s'il a fait 50 ans. Hata miaka makumi tano ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Il sera toujours charnel. Kimwili kabisa. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako. Charnel ou spirituel. Unakuwa kimwili wala kiroho. Charnel ou spirituel. Kimwili wala kiroho. Pose-lui la question. Charnel ulize ulizo. Kimwili wala kiroho. Uko kimwili wala kiroho. Encore. Muulize tena. Encore. Muulize tena. Kimwili wala kiroho. Encore. Charnel ou spirituel. Muulize unakuwa kimwili wala unakuwa kiroho. Ce qui fait que nos églises. Ile ndio inafanya makanisa ya kwetu. Sont remplis de la plupart des gens charnels. Inajaa watu wengi lakini wa kimwili. Et la majorité des gens qui divisent les églises, ce sont des gens charnels. Sehemu kubwa ya watu ambao wameigabula makanisa ni watu wa kimwili. C'est plus difficile de marcher avec un homme charnel. Ni vigumu kabisa kutembea na mtu wa kimwili. Vous n'arriverez nulle part. Hautafika nafasi yoyote. Si tu es un homme spirituel, kama wewe unakuwa mtu wa kiroho, si tu es une femme spirituelle, unakuwa mke kiroho, marche avec une personne spirituelle, tembea na mwenzako ambaye anakuwa kiroho. Charnel, charnel. Kimwili. Kimwili. À
Après cela, on est sorti de cette maison. Nous sommes partis encore. Nous sommes entrés dans une grande usine. Dans cette usine, je voyais beaucoup de gens. Des grands tailleurs. Des modélistes. Qui confectionne, qui crée la mode. Watu ambao wanaunda ma modele za kutosha za mavazi. J'étais en train de les regarder. Niliendelea kuangalia. Et la déesse me dit Charles. Na yule Mungu mke akasema Charles. Les grands tailleurs sur la terre. Wale watayere wakubwa chini ya jua. S'ils veulent se perfectionner. Wakitaka kuendelea zaidi. Wanakuyaka huku kwetu. Pour se perfectionner. Kwa kuendelezwa zaidi. Pour faire le stage ici chez nous. Kufanya mazoezi huku kwetu. Et après ils retournent sur la terre. Na baadaye wanarudia kwa dunia. Pour confectionner. Wanaendelea sasa kuchona vizuri zaidi. Les grands créateurs de mode. Wale ambao wanaweza kuumba mamodele mbalimbali. Les modélistes. Wale ambao wanaumba mambo mbalimbali ya model. Les gens qui créent même les styles des habits. Wale ambao wanaweza kuunda pia hata jinsi ya kuvaa mavazi. C'est comme ça que quand une mode arrive. Ndio maana wakati modele ya mupi yanatoka. Tout le monde court maintenant vers ça. Kila mtu anaitamani kabisa. Des grands modélistes. Wale ambao wanaunda ma modele za kutosha za juu sana. Il fallait les voir. Inabidi kuwaona. Chacun son poste. Kila mtu nafasi yake. Des modélistes. Kila mtu nafasi yake. Des gens qui créent des styles. Ba kuunda ma style banakuwa na yao fasi. Ba tayere banakuwa na yao fasi. Ni wale watayere wakubwa wakubwa. Des machines, des machines. Machine za kila modele zilikuwa huko. Des habits, faut voir. Nguo za kila modele zilikuwa huko. Nous avons quitté ce lieu. Tukatoka ile nafasi. Nous sommes allés encore. Tukaendelea tena. Nous sommes entrés dans une maison de fabrication des produits pharmaceutiques. Ambao wanatengeneza madawa za kutunza watu. Grande usine. Usine kubwa kabisa ya pharmacie. Il faut voir des médicaments. Dawa za aina zote zilikuwa ndani. Qu'on fabrique. Wanazitengeneza. Et la déesse me dit. Na yule Mungu mke akaniambia. Ces médicaments que tu vois. Hizi dawa ambazo unaziona hapa. Que nous fabriquons ici. Tunatengeneza huku. Nous envoyons ça sur la terre. Tunazituma kwa dunia. Pour qu'ils puissent consommer ça. Kusudi watu wa dunia wazitumie. Et le grand démon. Na shetani mkubwa. Que le diable lui a donné le pouvoir. Yule ambaye shetani alimpatia mamlaka. Sur les produits pharmaceutiques. Kwa ajili ya dawa zote za matibabu. Même dans le domaine de la médecine. Hata kwa ile ngazi ya ya matunzo. Son nom c'est Ephir. Jina yake ni Ephir. E-P-H-I-R. E-P-H-I-R. Ephir. C'est le grand démon. Yule ni shetani mkubwa. Que le diable lui a donné le pouvoir. Ambaye alipewa mamlaka. Sur les médicaments. Juu ya madawa yote. Sur la médecine. Juu ya uganga. Et non seulement il a ce pouvoir là. Si ile madaraka tu. Mais il a aussi d'autres pouvoirs. Anakuwa na madaraka yingine pia. Parce que tous les gens que vous les entendez, les prêtres qui font ce qu'on appelle l'exorcisme. Watu wote ambao mnasikia mapadiri wanasema wanafanya exorcisme. 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 Kufukuza mapepo. Il y a des prêtres qui chassent les démons, qui chassent les esprits là. Wa padiri ambao wanafukuza mapepo. Hein? Je vois ça là-bas à Kadutu. Ver Kadutu, kule chini Kadutu. Kwa Ricardo. On me dit qu'il y a un prêtre là qui wananiambia kuna kuwa padiri ambaye anafanya ile kazi. Tous ceux-là qu'on les appelle les bergers, wale wote ambao wanaitwa wachungaji wa kikatolika, travaillent avec le pouvoir de ce Ephir. Wanatumika na mamlaka ya ule Ephir. C'est comme ça que vous allez voir.
Le prêtre ne va pas discuter avec le berger. Padiri hawezi kubishiana na yule mchungaji. Le berger n'est même pas un monsieur là-bas, rien. Ah, mchungaji haiko atabe. Il n'est même pas un séminariste, rien. Haiko séminariste hapana. Mais le prêtre va lui laisser la paroisse, il lui laisse la paroisse. Padiri atamwachia paroisse. Il laisse la paroisse à ce jeune. Anamwachia kwa ule berger là. Kwa ule mchungaji. Donc ce berger va faire tout ce qu'il veut. Yule mchungaji atafanya mambo yote ambayo anaitaka. Le prêtre ne va rien dire. Eh, padiri atamwambia lolote. Parce que et le prêtre na ule padiri. Et le berger. Na ule mchungaji. Ils travaillent tous avec le pouvoir de ces éphires. Wanatumika wote na ile mamlaka ya ule éphire. Parce que même ce éphire là. Ata ule éphire. Il peut te donner la guérison. Anaweza kukupatia uponyaji. Parce que dans le domaine, c'est-à-dire dans la démonologie. Ouile mambo yao. Dans la démonologie. Ile démonologie. L'étude des démons. L'étude ya wademo ya mapepo. Majifunzo ya mapepo. Il y a des catégories de démons. Kuna ngazi ya mangazi mangazi ya wale mapepo. Les grands démons chassent les petits démons. Mamlaka mamlaka pepo wakubwa wanafukuza pepo wadogo. Le grand démon chasse les petits démons ainsi de suite. Pepo wakubwa wanafukuza pepo wadogo. Na kuendelea. Donc le éphir il a le pouvoir anakuwa na mamlaka même de parler en langue. Hata kusema kwa lugha. Il donne ça. Anaweza kutabiri. Mais c'est pas le parler en langue de Dieu, non. Haiko kutabiri ya Mungu hapana. Il peut donner aussi la vision. Anaweza kupatia pia utabiri. Mais c'est pas le don de vision de Dieu, non. Haiko maonyesho ya Mungu hapana. Il peut aussi donner le don de miracle. Anaweza kupatia pia hata muujiza. Mais c'est pas le don de miracle de Dieu, non. Haiko ile muujiza ndio ya Mungu hapana. Pourquoi? Parce que le diable, il n'a rien créé. Mais il s'est approprié. Comme vous lisez dans Galates. Ukisoma ndani ya Galatia. Dans Galates 5, 22. Wa Galatia 5, 22. Là où on parle des fruits, les neuf fruits de l'esprit. Tunda kenda zaro. Les neuf fruits de l'esprit. Tunda kenda zaro. Alors, lui-même, le diable aussi, il a créé aussi ces neuf fruits de l'esprit aussi. Shetani naye ka imite ile les neuf fruits ya roho. Mon ami, vraiment, ta position, jinsi ulivyo, ici sur la terre, hapa chini ya jua, détermine, inamaanisha, là où tu iras. Kule ambako taenda. Ça dit que la religion ou bien détermine déjà là où la personne ira. Dini ambao unakuwa ndani inamaanisha pia kule kwenye utaendaka. Ça veut dire que si là où tu es, ce n'est pas là où Dieu est. Ukikuwa kule ambako Mungu haiko, tu es déjà destiné déjà à l'enfer. Yari unakuwa mtu akwenda jenama. Peu importe ce que tu peux faire. Hata nini unatarajia? Hata kama unatarajia kuingia mbinguni, jenama njoo yako. Donc le diable aussi a ses neuf fruits de l'esprit. Shetani vile vile anakuwa na zile ndimi kenda za roho. Il donne aussi ses neuf fruits aussi. Anazipatiana naye. À ceux-là qui le servent. Kwa wale ambao wanamuamini. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, ndio maana katika maisha ya Ukristo, tu dois avoir le discernement. Unapasha kuwa na uchunguzi. Tu dois beaucoup avoir de discernement. Unapasha kuwa na upambanuzi kabisa. Demande à Dieu de te donner le don de discernement. Ambia Mungu akupatie roho ya upambanuzi. Parce que tu peux te perdre facilement. Sababu unaweza kujipoteza kwa urahisi kabisa. Tu peux te perdre facilement. Unaweza kujipoteza kwa urahisi kabisa. Alléluia. Alors, le signe de ce éphir. Alama ya ule éphir. Ce symbole-là que vous voyez sur les pharmacies. Ni ile alama ambayo munaona kwa mafarmasi. Une boîte avec un serpent comme ni ça. Ni kikombe ambayo inakuwa na nyoka. Non seulement que vous allez voir ça sur les pharmacies.
Aiko tu kwa mafarmasi ndio mtaona ile. Mais vous allez voir ça sur les blouses, les blouses. Mtaiona pia kwa ile mavazi. Les grands médecins. Ya wale waganga wakubwa. Je ne parle pas des petits infirmiers du Apana quartier. Apana ababa munganga badogo badogo ba quartier. Ce que je dis là, eux ils ne connaissent pas ça. Ah bale ba bale banganga badogo abajue ile mambo. Des grands grands docteurs. Bale banganga bakubwa bakubwa kabisa. C'est comme ça que même un grand docteur, si, ndio maana wale wa docteur wakubwa, pour entrer dans la salle d'opération, kwa kuingia kwa salle d'opération, il doit boire, anakunwa pombe, ivre, anaenda akiwa mlevi. Il ne peut pas entrer dans la salle d'opération avec ses yeux physiques comme ça. Hawezi na macho ya kawaida ya kimwili. Il va boire, atakunwa ya kutosha, mlevi kabisa. Anaangu anaandika mnane kabisa. Lala, il va faire quoi? Atafanya nini huyu? Mais quand il entre là-bas, wakati anaingia pale, il va t'opérer là correctement. Atakutengeneza vizuri kabisa kwa operation. Parce que c'est pas lui qui t'opère, hein? Sababu haiko yeye ndio anafanya kazi. C'est ce démon Ephir là qui va ni opérer au travers de lui. Pepo Ephir ndiye anakuja kufanya kazi ya operation. Mais toi tu es déjà sous ce qu'on appelle quoi? Wewe unakuwa voilà, kwa ile tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas le voir même. Anesthésie wewe hata kujua lolote. Hautajua kitu. Même les grands docteurs. Wale waganga wakubwa kabisa. Ils tiennent leur serment. Wanakuwa na viapo vyao. Sur base de ce Ephir. Kwa yule pepo Ephir. Ce symbole là. Il est là avec un serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médicament que tu entres pour acheter, kuuza, ça peut te guérir, inaweza kukuponya, ça peut te tuer. Vile vile inaweza kukuua. Le même médicament, ile dawa, ça peut te guérir, inaweza kukuponya, comme ça peut te tuer. Inaweza pia kukuua. En réalité, kwa kweli, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, même s'il a la pharmacie, hata kama anaenda kwa pharmacie, il ne va pas mettre ce signe là sur sa pharmacie. Hawezi kutia ile alama kwa pharmacie ya kwake. C'est la raison pour laquelle nous achetons ces médicaments, nous buvons, nous buvons, nous buvons, rien ne se passe dans nous. Ndio maana tunauza zile madawa, tunazikunwa lakini hazifanyi kitu. La maladie reste toujours là. Ugonjwa inaendelea kubakia pale pale. On te pique, tu bois, on te pique. Wanakutobola sindano, ingini madawa unakunwa lakini haifanyi kitu. Tu restes le même. Unabakia mgonjwa tu. Alléluia. On a quitté ce lieu. Tukatoka ile nafasi. Nous sommes partis, nous sommes entrés dans une grande usine. Tukaenda ndani ya usine nyingine kubwa kabisa. De fabrication des armes. Ambako wanatengeneza mabunduki. Fabrication des armes. Kule ambako wanatengeneza mabunduki. Mon ami, tu n'as pas encore vu des armes. Haujaona masilaha. Des armes des. Kunakuwa masilaha za ajabu ajabu. Stocke. Bana zilundika lundika kule kwa ile nyumba. Mabombe za ajabu ajabu. Ah, je ne connais pas tous les noms vraiment. Sijue majina zote za mabombe. Toutes sortes. Lakini modele zote zilikuwa kule. Eh, la déesse me dit, la reine me dit. Na yule déesse ambaye anakuwa mke ananiambia Charles. Ces armes que tu vois. Hizi silaha ambazo unaziona. Nous les fabriquons. Tunazitengeneza. Nous les stockons ici. Tunazilundika huku. Pour que à la fin du monde. Kwa mwisho wa ulimwengu. Nous allons faire sortir ça sur la terre. Tutazitosha zote na kuzibeba duniani. Pour terminer avec les humains. Kwa kumaliza maliza watu wote. À la fin du monde, mwisho wa ulimwengu, c'est là où nous allons faire sortir ces armes-là. Tutatosha zile silaha zote. Et là, na pale sasa, on va terminer avec tutamaliza maliza kabisa watu wote. Aujourd'hui, leo mpendwa, tu as encore la possibilité de donner ta vie à Jésus. Na muda wa kupatia Yesu Kristo maisha yako. Aujourd'hui, leo hii, tu as encore la grâce et la possibilité de donner ta vie à Jésus librement. Unakuwa na bahati na muda wa kupatia Yesu Kristo maisha yako kwa uhuru wote. Mais ce jour-là. Lakini ile siku. Ce jour-là. Ile siku. Ça sera devant un canon que tu vas donner ta vie à Jésus. Itakuwa mbele ya silaha ndio utapatia Yesu maisha. Ça sera devant un canon. Mbele ya silaha. On te posera la question. Watakuuliza swali. Tu
Tu aimes Jésus? Unapenda Yesu? Oui. Ndio. Wana kupiga mara moja silaha. Tu aimes Jésus? Unapenda Yesu? Oui. Wana kulundika masasi. Tu aimes Jésus? Unapenda Yesu? Hapana. Allez, viens ici. Kuya hapa. Bana kusogeza pembeni. Donc, quand tu vois seulement les armes là, on te dit ça, ou tu aimes Jésus? Là, tu dis, hey, on a sema simpendi. Je ne connais pas cet homme. Ah, on simujua hata. Voilà, viens. Kuya. Wana kutia pembeni. Quand tu dis oui là, ukisema kweli unapigwa mara moja lisasi. Dis à ton voisin, tu as entendu? Ambia jirani yako nasikia. Encore, tu as entendu? Mwambie tena unasikia. Encore? Mwambie mara tena. Tu as entendu? Mwambie mara tena. Elle m'a fait voir d'autres choses. Aliendelea kunionyesha mambo mengine. Après, nous sommes revenus encore dans la maison. Kwa mwisho tukarudia tena ndani ya nyumba. Elle me dit, akaniambia, Charles, tu vois les cartons de sardines? Unaona zile cartons za sardine? Quand tu vas partir sur la terre, wakati utaenda kwa dunia, nous allons te donner ça. Tutakupatia hizi. Tu iras avec ça. Utaenda nazo. Sur la terre. Kwa dunia. Tu vas donner ça aux gens. Utazigabulia watu. Utazigabulia watu. Gratuitement. Kwa bure. Kwa mais bure. Toi, lakini weye, n'ose pas manger ça. Usisubutu kukula ile. Elle dit, akasema, comme nous allons te donner des cartons, sababu tutakupatia cartons za kutosha, tu peux même aller donner ça même en dette. Unaweza hata kuzipana kwa madeni. Aux commerçants. Kwa wachuuzi. Ils peuvent prendre même en dette. Wanakamata madeni tu. Pour vendre ça. Kuujisha azu. Et après ils vont te donner na même l'argent. Na kwa mwisho watakupatia franga. Donne-leur ça moins cher. Uwapatie kwa bei chini. Pour qu'ils achètent ça vite. Kusudi bauze yao mbio mbio. Et elle dit, akasema, mais, lakini, pour ta formation, kwa kukufunza weye, pour ta formation, kwa kukufunza weye, voilà ce que tu vas faire. Ona jinsi utafanya. Elle prend un tapis, anakamata tapis, en couleur rouge, ya rangi ya rouge, elle dépose ça devant moi. Anaitia mbele yangu. Elle dit, tu vois ce tapis rouge? Anasema unaona ile tapis rouge? Je dis oui. Ninasema ndio. Elle dit, anasema, les voitures, metokari, les avions, mandege za kuruka, les avion, bateaux, watajiri, sont les bateaux. Bateau ndio mashua, sont tellement lents. Inaenda pole pole kabisa. Sont tellement lents. Zinaenda pole pole kabisa. Les bateaux, les avions, les bateaux, camions avions, sont gari tellement lents. Pole pole kabisa. Tu n'as pas besoin de ça. Auna haja ya ile mambo. Toi, weye, tu as besoin seulement de ce tapis ici. Unakuwa na haja ya hii tapis hapa. Si tu veux aller en Europe, kama unataka enda si Europa, tu veux aller où, kama unataka enda nafasi, le tapis là va t'amener à la seconde. Tapis rouge itakutembeza ku seconde. Il suffit que tu montes seulement sur le tapis. Yatosha tu upande juu ya hayo. Et tu cites le nom de la ville là où tu vas unataja aller. Unataja jina ya ile muji unataka kuendea. Pour que le tapis se soulève avec toi. Tapis yope kitakurusha tu na pamoja na hayo. Et moins de seconde, moins de deux minutes. Na seconde mara moja unafika. Tu es déjà arrivé. Utafika kwa ile ville. Or avec les avions ça va prendre beaucoup de temps. Avion itakamata muda mrefu. Elle dit, anasema, comme tu vois le tapis, jinsi unaone le tapis pale, ça a la couleur rouge, inakuwa na rouge, ça veut dire, inataka kusema, que le tapis là, ile tapis pale, fonctionne avec le sang, inatumika na damu, fonctionne avec le sang, inatumika na damu. Je vous ai dit au début, niliwaambia tangu mbele, que un prêtre ne tue pas au début, non. Mupadiri auwe kwa mwanzo hapana. Mais c'est un peu plus tard. Ni kwa nyuma kabisa ndio anaanza kuua. Au début ne tue pas. Mwanzo hapana hapana. Il fait comment? Anafanya nini? Il fait comment? Anafanya nini? Je l'ai déjà dit ici. Si vous voulez savoir, si vous retenez quand même les choses que je dis. Sikuisema ninataka nijue kama mnaendelea kuchunga mambo ambayo ninasema.
Il donne seulement la bénédiction de sa famille, le mariage, quoi. Ça, il donne au diable. Baraka za jamaa yake yote kwanza. Baraka zote za jamaa anazipana. Ce n'est qu'après qu'il va tuer. Na baadaye sasa ndio ataanza kuua. Alors ici on me dit, wananiambia, pour que ce tapis fonctionne. Kwa jinsi ile tapis itumike. Comme un avion. Sawa vile ndege. Et plus qu'un avion. Kushinda hata avion. Tu dois maintenant unapashwa sasa donner le sang. Unatoa damu. Et elle dit, anasema, tu dois donner unapashwa toa 12 personnes. Watu 12. Quand on dit donner 12 personnes, wakisema watu 12, ce n'est pas que je dois prendre 1, 2, 3, 4 personnes si vivantes pour les amener comme ça. Hapana. C'est un langage pour dire que tu dois tuer 12 personnes. Hapana kuua watu 12 hivi. Hapana kutoa watu 12 hivi. C'est tuer. Ni kuua. Kuchinja. Ce n'est pas que je dois prendre les 12 personnes là comme ça. Sita wabeba wazima hapana. C'est-à-dire que je dois tuer. Ninapashwa ni waue. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Lakini moja mpaka 12. Alléluia. Elle dit, anasema, c'est ça ta formation. Ni majifunzo yako. Pour ta formation, kwa hii majifunzo yako, tu ne donneras 12 personnes. Utatupatia watu 12. Mon ami, Pendwa, aussi longtemps que tu aimes beaucoup la gratuité et la facilité, tu ne deviendras jamais grand. Kabla unaendelea kungojea vitu vya bure, hautakomaa hata siku moja. Même en Christ, hata ndani ya Kristo, il y a pas de gratuité. Hakuna vitu vya bure. Tu paieras le prix de ce que tu veux devenir. Utalipa gharama ya jinsi unataka kufikia. Qui t'a dit que quand tu vas prier, nani alikwambia jinsi utaomba tu, tu ne vas pas donner. Hautatoa. Qui t'a dit ça? Nani alikwambia ile? Qui t'a dit que même si le pasteur prie pour toi, hata kama mchungaji anaomba juu yako, tu ne donneras rien. Hautatoa. Qui t'a dit ça? Nani alikwambia ile? Qui t'a dit que même quand tu vas jeûner 40 jours à sec, hata kama unafanya vifungo, tu ne vas rien donner. Hautatoa. Qui t'a dit ça? Nani alikwambia ile? Tu prieras. Utaomba. Tu donneras. Utatoa. Tu jeûneras. Utafunga. Tu donneras. Utaotoa. Tu chanteras. Utaimba. Utatoa. Amen, amen. Le pasteur prie pour toi, tu donneras. Mchungaji anaomba, utatoa tu. Ce sont les bébés qui aiment beaucoup la gratuité. Ni watu wachanga ndio wanapenda vitu vya bure. Regardez là-bas. Angalia kule. Pour ma formation. Kwa kufunzwa yangu. On demande 12. Wanalilomba watu 12. Douze personnes. Watu 12. Aussi longtemps que tu ne marches pas avec la mentalité de sacrifice en toi. Kama ba baadaye ikiwa utakuwa utembee, tu resteras le même. Utaendelea kubaki yule yule. Même Jésus-Christ. Hata Yesu Kristo. Pour qu'il devienne ce qu'il est. Hata Yesu Kristo jinsi afikie ile kipindi alifikia yako. Pourquoi nous l'appelons le Seigneur de Seigneurs? Kwa nini tunamuita mfalme wa wafalme? Pourquoi nous disons le roi des rois? Mfalme wa wafalme. Pourquoi nous disons cela? Kwa nini tunasema ile? Parce qu'il a mérité. Ali stahili. Il a payé le prix. Alilipa gharama ya ile. Payé le prix. Alilipa gharama ya ile. Même lui. Hata yeye Yesu. Qui est Dieu? Na ni Mungu. Il a payé le prix. Alilipa gharama ya ile. Pour être ce qu'il est aujourd'hui. Kwa kuwa jinsi alivyo leo. Tu es qui? Uko nani? Pour ne pas payer le prix. Kusudi usilipe gharama ya jinsi unataka kuwa. Tu es qui? Uko nani? Pour ne pas payer le prix. Kusudi usilipe gharama. Plusieurs.
wengi en raison d'être là où ils sont. Wengi wanakuwa na sheria ya kukua pale ambako waliko. Plusieurs wengi en raison wanakuwa na sheria d'être là où ils sont. Wanakuwa jinsi walivyo. Dans la médiocrité. Kwa hali ya umaskini. Dans la précarité. Kwa hali ya chini. Dans la pauvreté. Kwa umaskini kabisa. Vous avez raison d'être là où vous êtes. Sheria ya kuwa sawa na jinsi ulivyo. C'est pas le problème de Dieu, hein. Haiko shida ya Mungu hapana. C'est ton problème. Ni shida yako mwenyewe. Veux-tu devenir grand dans la vie? Ukitaka kuwa mkubwa ndani ya maisha? Hey, mon ami, écoute-moi. N'ose pas critiquer quelqu'un que Dieu a élevé dans la vie. Usijaribu kumusemea vibaya mtu ambaye Mungu alimuinua katika maisha. Tu ne sais pas de la manière qu'il est passé. Aujue jinsi gani alipitia pour être ce qu'il est. Kwa kuwa jinsi alivyo. N'ose pas critiquer une personne qui est bénie dans la vie. Usijaribu kumusemea vibaya mtu ambaye amebarikiwa. Tu ne connais pas le sacrifice qu'il a fait. Aujue sadaka gani alitoa kwa ajili ya kuwa vile. Aujue. Tu ne connais pas. Aujue lolote kwa ajili ya ile baraka yake. Ferme ta bouche. Funga kinywa chako. Alléluia. Car si tu oses ukijaribu critiquer cette personne là, ukijaribu kumuteta, même Dieu, pas le diable, hata Mungu mwenyewe, Dieu lui-même, Mungu mwenyewe, il va te gifler, atakuchapa viboko d'une manière que tu vas vraiment avoir le vertige. Atakuchapa viboko kabisa. Je sais ninajua que parmi nous ici, kati yetu hapa, il y a de ceux-là qui sont passés par là. Kuna kuwa wengi ambao walipita kwa njia ile. Tu as payé le prix. Ulilipa gharama. Quand j'ai entendu le témoignage, kama nilisikia ushuhuda, de notre bien-aimé homme de Dieu, ya mpendwa wetu mtumishi wa Mungu, Stefano Munongo. Oh, le jour où j'ai écouté son témoignage, wakati nilisikia ile ushuhuda ya kwake, nilishangaa. J'ai dit oui. Nikasema kweli. Il y a des hommes et des femmes. Kunakuwa wanaume kabisa. Dieu a fait passer. Ambao Mungu aliwaokoa. Dieu. Mungu mwenyewe. Il a fait passer. Aliwaokoa. Par des chemins là. Aliwapisha njia nyingi. Que tu veux ou pas. Upende usipende. Utalipa gharama. Utalipa gharama. Upende usipende utalipa gharama. Mon ami. Moi, pour que je suis ce que je suis. Jinsi mimi nilivyo hapa. En Christ. Ndani ya Yesu Kristo. J'ai payé le prix. Nililipa gharama. Comme j'ai quitté l'église catholique. Kama nilitoka kwa kanisa ya Katolika. Dieu m'a amené sur un carton. Wali nileta kwenye carton. C'est pas que je n'ai pas une maison, non. Si kwamba nisikukosa. J'ai ma maison, un villa que j'ai acheté quand j'étais prêtre. Nilikuwa na nyumba kubwa ambazo nilizuza wakati nilikuwa padiri. Mais j'avais mis ça en location. Nilitia ile kwa kupangisha. On donnait l'argent à ma mère. Walipatia mama yangu pesa. Mais j'ai quitté. Lakini wakati nilitoka, tu n'entreras pas dans cette maison. Mama kaniambia hutaingia mwii nyumba. Si c'est moi qui t'ai mis au monde. Kama mimi ndio nilikuzala. Va faire ta vie là. Wende endelesha maisha yako. Je suis allé louer une maison. Nikaenda louer une maison. Nikaenda panga nyumba. J'ai mis tout dans cette maison là. Nikatia mambo yote ndani ya ile nyumba. Nilikuwa na pesa. J'ai quitté l'église catholique avec l'argent. Il m'a donné l'argent. Nilitoka kwa ile kanisa nikiwa na pesa. Il m'a donné. Walinipa pesa. Le lit, les quoi? Tout. Kila kitu nilipata. Nilitia vitu yote. J'ai payé. Niliuza. Caution tout. Na garantie nilipana. À un moment donné, muda mfupi, tout est bloqué. Yote ikafungwa kabisa. Plus d'argent. Hakuna pesa. Je suis entré dans l'arrière comme ça. Nikabakia nikihangaika hangaika. Mais le propriétaire c'est un major. Na mwenye nyumba alikuwa major. Un jour, c'était un dimanche. Siku moja ya Mungu, je sortais. Nilitoka. En rentrant à la maison, kwa kurudi, je trouve une autre clé sur la maison. Nikakutana kadena inakuwa ku. Les voisins m'ont dit. Wajirani wakaniambia Charles. Le propriétaire est venu ici. Mwenye nyumba alifika hapa. Le bailleur est venu ici. Alifika hapa. Il a dit. Akasema. Tout ce que tu as dans la maison là. Yote nyuko na ndani ya nyumba. Ça équivaut à son argent déjà. Inaeneana na pesa zake. Donc tu peux partir. Unaweza tuenda na amani. Et comme c'est un major, je devrais l'amener où? Na sababu ni askari. Je suis sorti les mains vides. Nikatoka tu vile. Aller prendre encore une maison en dette. Nikaenda kupanga nyumba nyingine kwa deni. Commencer à dormir sur un carton. Nikaanza lala juu ya carton. Je dis ça dans l'église. Ninaisema kabisa hapa. Si c'est du mensonge, Dieu me frappe, je kama ni uongo Mungu mwenyewe.
une année, deux mois. Mwaka mzima na miezi mbili. Sur un carton. Juu ya carton ililala. J'étais devenu comme ça. Nikagonda kabisa. Si tu n'as pas compris ce langage là, tu vas demander à ton voisin là-bas. Kama ukuelewa ile usemi utauliza jirani. La plupart des gens qui sont comme ça là, c'est pas le sida hein, c'est la faim. Watu wengi ambao wanagonda si magonjo ya sida lakini ni njala. Ni njala. Tu vas manger, tu vas voir. Ukipata chakula utaona. Il va grossir. Watavimba. J'étais devenu comme ça. J'ai tenté de me suicider trois fois. Nilitaka kujaribu kujiua mara tatu. Trois fois. Mara tatu. Me suicider. Kujiua. Mon ami, Mpendwa. J'ai souffert. Niliteseka kabisa. J'ai souffert. Niliteseka. Et ma souffrance n'est pas terminée. Na shida zangu hazikumalizika. Même jusqu'aujourd'hui. Hata leo hii. Je continue à payer. Ninaendelea kulipa gharama ya jinsi nilivyo. Toi tu manges bien. Wewe unakula vizuri. Toi tu prends des petits déjeuners. Unatumia chakula asubuhi. Mais allez demander là où je suis logé. Lakini ulize pale kwenye niko. Moi, je ne peux pas manger comme tu manges. Mimi sikule sawa jinsi wewe unakula. Et pourtant, j'aime bien manger. Lakini na mimi ninapenda kukula. Comprenez cela? Unaelewa ile? Le ventre ici, tout ça se détruit, tout ça se détruit. Tumbo hii inaharibika kabisa. Tout ça se détruit. Inaharibika kabisa. Combien de poisons? Je ne connais pas le nombre. Muko sumu na sijue kabisa. Combien de fois j'ai entré dans l'hôpital? J'ai fait 4 mois, 5 mois. Je ne connais pas les gens. Nimekwisha kuingia ndani ya hospitali mara mingi kabisa. Na nimekula sumu mara mingi. Wesla? Nona ile yote? Depuis le matin jusque maintenant, je n'ai pas mangé. C'est pas parce qu'il n'y a pas la nourriture. Il y a la nourriture, mais tangu je ne mange pas. Mpaka sasa si yatumia chakula. Si kwamba hakuna chakula. Chakula hiko, lakini... Allez demander le délégué régional là-bas. Uende uliza kwa mchungaji Kishibisha ambako ninakuwa. Depuis le matin jusque soir. Tangu asubuhi mpaka hivi. C'est pas qu'il n'y a pas la nourriture. Il y a la nourriture. Chakula hiko, lakini hakuna jisi. Je paye le prix. Ninalipa gharama. Je paye le prix. Ninalipa gharama. Paye le prix aussi. Na wewe lipa gharama ya wokovu wako. Paye le prix de ton élévation. Lipa gharama ya jinsi Mungu alikuinua. Accepte de payer le prix de ton mariage. Lipa gharama ya ndoa yako. Accepte de payer le prix. Lipa gharama ya jinsi ulivyo. As-tu déjà vu quelqu'un? Tiyari umekusha kuona mtu qui est élevé mwambaye ameinuliwa sans pour autant payer le prix, bila kulipa gharama. C'est la sorcellerie. Ni uchawi labda. Et d'ailleurs même dans la sorcellerie ça hata kwa uchawi pas. Pia gharama inalipwa. Même dans la sorcellerie tu payeras le prix. Hata kwa uchawi gharama inalipwa. Tu vas chez le diable, tu vas payer. Kwa shetani utalipa. Tu vas chez Christ, tu vas payer. Utaenda kwa Yesu utalipa gharama. 12 personnes on m'a demandé ça. 12. Alors quand elle a parlé de 12 personnes, wakati aliniambia habari ya watu 12, je suis resté calme. Nikakaa kimya. Et quand je suis resté calme, wakati nilibaki kimya, elle n'a pas tellement insisté. Akukazia kabisa. Elle dit bon, Charles, akasema Charles, tu peux partir. Unaweza kwenda. Tu peux partir. Unaweza kwenda. Et pendant qu'elle dit ça, wakati alisema ile, elle était en train de marcher. Ali jaribu kutembea. Moi aussi je venais. Na mie nikamfuata karibu yake. En train de marcher. Kupima kutembea na mimi. Tout d'un coup, kisha kidogo, je me retrouve dans la paroisse. Ninajikuta ninakuwa kwa paroisse. Je me retrouve dans la paroisse. Ninajikuta ndani ya paroisse. Mais quand le diable était venu me prendre pour m'amener là-bas, kwa gisi shetani alikuwa nikamata na kunibeba kule. Notre prêtre supérieur, notre père supérieur, padiri mkubwa wetu, n'était pas là. Hakukua pale. Elle était déjà sorti. Alikuwa tayari ameondoka. N'était pas là. Alikuwa ameondoka. Mais quand je suis revenu, wakati niliporudia,
Et j'ai commencé à marcher. Nikaanza kutembea. J'ai pris la direction de ma chambre. Nikaenda kwa ngambo ya chumba changu. Pour aller dans ma chambre. Ndani kwenda kwa chumba changu. Directement, il m'appelle. Akaniita. Le père supérieur m'appelle. Ule padiri mkubwa akaniita. Charles. Akasema Charles. Viens ici. Kuja hapa. Et quand je suis arrivé, wakati nilifika, il me dit, akaniambia, comment ça a été le voyage? Safari ilikuwa aje? Lui n'était pas là quand le diable était venu me prendre. Kukua pale sasa shetani alinibeba. Kukua. Mais quand je suis revenu, lakini wakati ninarudia, et j'ai pris maintenant la route pour aller dans enda kuchumba yangu. Charles vient ici. Anasema Charles rudi hapa. Je suis venu. Parce que c'est le père supérieur. Ni mkubwa kwangu. Il dit, comment ça a été le voyage? Safari ilikuwa aje? C'est bien? Ilikuwa mzuri? J'étais étonné. Nika shanga. Alors je lui ai dit, oui, le voyage c'est bien. Nikamwambia safari ilikuwa nzuri. Mais lakini on m'a demandé quelque chose là-bas. Alinilomba kitu kidogo kule. Il a dit, mais quoi? Mais quoi? Assieds-toi d'abord. Kala kwa chini. J'ai pris la chaise, je nika me suis assis. Nikachukua kiti nikaika. Il dit, bon, explique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a demandé là-bas? Nini balkulombo? J'ai dit, là-bas, on a dit, pour ma formation, kwa majifunzo yangu, je dois donner 12 personnes. Inapasha pana watu 12. Alors, lui, il dit, yeah, akasema, et c'est ça le problème? Njo shida ile. C'est ça que tu appelles problème? Ile njo naita shida we. 12 personnes là? Watu 12. Tu fais de ça un problème? Tu fais de ça un problème? Unaiona sawa ni tatizo? Il y a des gens qui donnent plus que le 12. Unakuwa watu ambao wanatoa zaidi ya 12. Toi quand même on t'a demandé tout ça. Wana weba na kulomba wachache. Mais il y a des gens là qui quand on leur demande plus que ça, plus ça. Wengine wanawapatia wanawalomba zaidi ya ile 12 ambao wanakulomba wewe. Allô? Je lui ai posé la question, je dis ah. Nikamuuliza. Mais là je vais faire comment? Nitafanya nini? Parce que rappelez-vous, je venais d'être ordonné, ça fait seulement 3 semaines. Hein? Nilikuwa nimekwisha kubarikiwa baada ya juma tatu tu. Est-ce que vous comprenez cela? Mnaelewa ile? Donc, il y a certaines choses que je n'ai pas encore totalement maîtrisées. Kuna kuwa mambo mengi ambayo nilikuwa tayari siyaelewa. Alors, il me dit, akaniambia, Charles, tu ne sais pas qu'ici à la paroisse, aujue kama hapa kwetu kwa paroisse, nous tuons les gens chaque jour. Tunauaka watu kila siku. Sans que les gens ne se rendent pas compte. Bila watu wengine kujua. Tu ne sais pas? Aujue ile? Là, j'ai ouvert grandement mes yeux. Je dis, ni ah bon? Kashituka na kufungua kabisa maji. Ici à la paroisse. Hapa kwa paroisse. Nous tuons les gens ici chaque jour. Tunauaka watu kila siku. Sans que les gens ne se rendent compte. Na wengine hawajuaki. Comment ça? Ayetu. Il me dit, bon, attends. Ngojea. Il est parti. Akaenda. Il a amené maintenant la communion. Akaleta ile communion. Eucharistia. Eucharistie, communion. Vous connaissez ça, non? Vous avez vu ça, non? Eucharistia. Il a amené ça. Akaleta ile. Il a amené aussi de l'huile. Akaleta na mafuta. L'huile des malades. Mafuta ya malade. 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 L'huile des malades. Mafuta ya wagonjwa. Il dépose ça. Akatia pale. Il me pose la question. Il dit Charles. Nani paswali, Charles. Comment tu appelles ce scaristie là? Unaita hii Eucharistie namna gani? Que nous donnons aux gens. Ambao tunapatia watu. Ils mettent dans la bouche. Wanatia ndani ya vinywa. Amen. Tunawapa wanasema amen wanatumia. Amen wanatumia. Je to vas tu as déjà mangé ça? Ulisha kula ile? Il dit. Anasema. Comment tu appelles ça? Unaita hii namna gani? Je dis oh. On appelle ça communion. Inaito Eucharistia. Il dit non, ce n'est pas ça. Aiko Eucharistia. Je dis, on appelle ça Eucharistie. Inaito Eucharistia. Il dit non. Apana, aiko ce n'est vile. Pas ça le nom. Aiko ile njo jina. Je dis, ah, mais finalement le nom c'est quoi? Sasa jina ni nini? Il me dit, le nom, jina, c'est le biscuit de la mort. Ni biscuit ya kufa. Biscuit ya kufa. Il dit, on appelle ça le biscuit de la mort. Biscuit ya kifo.
dit. Ananiambia. Regarde. Angalia. Il me donne ça. Ananipa ile. Et quand j'ai regardé, wakati niliangalia, j'ai vu un cachet. Niliona ndani mnakuwa chapa. Parce que le problème c'est quoi? Shida ni nini? Quand on vous donne ces choses là-bas, wakati wanakupatia ile kitu kule, vous n'avez même pas le temps de regarder ça. Hauna muda ya kuiangalia. On vous donne de la même. Wanakupatia kwa mkono mara moja unatia kwa kinwa. Kwa mkono mara moja kwa kinwa. Quand on te donne là, lakini wakikupa ile, prends quand même une minute. Jaribu kupata seconde kidogo ya kuangalia. De regarder ça. Angalia ayo. Tu vas voir. Utaona. Tu n'as pas besoin de don de vision, non. Avec tes yeux charnels. Na macho yako ya kimwili. Tu vas voir. Utaona. Il y a un cachet à l'intérieur. Kuna kuwa chapa ndani. Tu vas voir ça toi. Utaona ile cachet na macho ya kimwili. Demain là, va là-bas. Jaribu kwenda pale kesho. Demande à monsieur l'abbé de te donner la de lomba de ile bakupatia yo uiangalie. Inakuwa na chapa. Il y a pas de tableau ici, sinon j'allais dessiner. Hakuna ubao ambao ningichapia hako muone. Bien. Là au fond. Au fond là-bas. Bon. Vous allez bon, il y a sinon j'allais dessiner. Bon, vous allez voir dans la communion là, un cachet. On a quoi il eucharistie chapa? Il y a J. On a indiqué J. H. H. Avec un petit croix. Na msalaba kidogo. Avec S comme na ça. Na chapa ya S. Dans le rond. Mwaile kiviringo. Les gens qui sont déjà allés vers Ngumba, c'est comment? C'est Ngumba? Ngumba. 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 Hein? Wale ambao wanaenda zaidi Ngumba. Quand vous regardez sur, j'ai vu ça sur, si c'est l'église ou bien collège, hein? Niliona ile kwa ile shule ya college. Vous allez voir J, H avec un petit croix S. Utaona ile maandiko mwile chapa pale. C'est ça là, college. Vous allez voir ça dans la communion là. Ndio ile napatikana kwa Eucharistia. Ile chapa. Alors, le J veut dire. Ile J nataka kusema. Je suis. Niko. H. Ile H. C'est le Dieu Horeb. Ni Mungu Horeb. C'est-à-dire le Dieu des Égyptiens. Mungu wa wenzetu wa Égypte. Égypte, le Dieu des Égyptiens. Oui. Le S, il est S. C'est le Dieu 7. Ni Mungu. Le Dieu 7. Le Dieu 7. Saba. Le Dieu 7. Mungu Saba. 7. Mungu 7. 7. Chiffre 7. 7. S E P T. Nijina. Dieu 7. Mungu 7. Mungu Saba. Oui, c'est ça. 7. C'est bien dit. S-S-E-T-H. C'est okay. Ça, 7. 7, 7, 7, c'est 7 chiffres, 7, c'est S-E-P-T. Oui. Ah, mais je ne parle pas de ça, je parle de S-E-T-H. 7. Nijina. Nijina. Ce n'est pas 7 chiffres, lakini ni jina. C'est 7 S-E-T-H. Ni jina, haiko chiffre saba pana, ni jina. C'est toujours le nom de Dieu, de Dieu. Ni jina ya ule Mungu wao. Parce que dans, je vous ai dit que dans le monde, il y a 72 dieux. 72. Miungu makumi saba na mbili. Non, ce n'est pas tout ce qui se dit Dieu, Dieu, Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Ambao wanajiita Mungu Mungu ndiye wale ndiye Mungu muumbaji hapana. Tout comme aussi, ce n'est pas tout ce qui se dit Jésus, Jésus, Jésus qui est le Jésus-Christ de Nazareth. Si wote ambao wanajiita Yesu, Yesu ndiye Yesu ambaye alitufilia hapana. Il y a trois Jésus dans le monde. Kuna kuwa watu tatu ambao wanajiita wa Yesu. Il y a trois Jésus. Kuna kuwa wa Yesu tatu. Il y a le Jésus. Kuna kuwa Yesu. Qu'on appelle le Jésus-Christ roi. Eh, wanamuita Yesu Christ roi. Roi. Christ roi, Christ roi. Christ roi. C'est le Dieu des Romains. Ni Mungu wa Roma.
et qu'il a imposé à tout le monde sur la surface de la terre. Dans le Jésus dont prêche l'église catholique, c'est le Jésus-Christ roi. Ni Yesu Christ roi. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Aina mapatano kabisa na Yesu ambaye alitufilia. Son siège c'est au Vatican. Nafasi yake kubwa ni kule Vatican. La majorité des films sehemu kubwa ya film que nous regardons ambazo tunaziangalia de Jacques Bauer, zile zote de Tanzaniens za Tanzania. Quoi, comment on appelle ce jeune homme là? Kalumba, comment vous allez? Kalunda, Kalumba. Les films des Nigériens. Zawale wa Nigeria. Tous ces films-là ont été faits avec le pouvoir de ce Christ roi. Si les films zote zinatumikwa na mamlaka ya ule Christ roi. Le deuxième Jésus. Yesu ambaye anakuwa wa pili. On l'appelle Jésus de Londres. Wanamuita Yesu wa kule Uingereza. Jésus de Londres. Yesu wa Uingereza, Jésus de Londres. Son siège c'est en Angleterre. Nafasi yake ni kule Uingereza. Sous la terre. Ni hapa chini ya jua. C'est ce Jésus là que les musiciens chantent beaucoup à son honneur. Ni yule Yesu ambaye wa musicien wanamuimba. Les musiciens chantent beaucoup à son honneur. Wana muimba zaidi kwa jina lake. Wanaimba kwa jina lake. Et c'est ce Jésus là qui donne aussi le pouvoir de chanter aux musiciens. Ni yule Yesu ndiye anapatia wale waimbaji uwezo wa kuimba. Vous allez voir un seul musicien, il va vous chanter même 10 à 15 voix lui seul dans une chanson. Utaona muimbaji mmoja anabadilisha masauti na anaimba sauti za kutosha kabisa. En réalité, lui n'a seulement qu'une seule voix, mais les autres voix là sont chantées par ces esprits là. Kwa kweli yeye anakuwa na sauti moja tu, lakini zile zingine masauti ni za mapepo. Et le troisième Jésus. Na Yesu wa tatu. C'est Jésus Christ de Nazareth. Ni Yesu wa Nazareth. Le fils de David. Mtoto wa Daudi. Le roi des rois. Mtoto wa Mungu wetu. Oh, si tu l'aimes, tu dis amen plus fort. Tuseme haleluya kwa ajili ya Yesu. Si tu l'aimes, tu acclames plus fort pour lui. Pige mikono kabisa. Ce Jésus là. Yule Yesu. Qui est mort sur la croix de Golgotha. Ce Jésus là. Yule Yesu Christ. Qui est ressuscité. Aliyefufuka. Oh, ce Jésus. Yule Yesu Christ. Qui a changé ma vie. Qui a aliokoa maisha. Et il peut changer ta vie aussi. Anaweza kugeuza maisha yako pia. Alléluia. Alors, maintenant, le cercle, il est Muviringo, représente le dieu Osiris. Inawakilisha miungu ya Osiris. Le cercle représente le dieu Osiris. Il est chapa inawakilisha yule mungu Osiris. 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 O S I R I S. Yule mungu Osiris. Osiris. O S I R I S, Osiris. Osiris. C'est facile à écrire. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente, ce cachet? Inawakilisha nini ile chapa? Ça veut dire. Inataka kusema. Vous tous. Nyinyi wote. Venez ici. Kuje hapa. Vous tous. Nyinyi wote. Venez ici. Kuje hapa. Toi qui manges ça, oui, ambe unatumia ile kuya hapa. Et son vrai nom, c'est le biscuit de la mort. Jina nzuri kabisa ni biscuit ya kifo. Va demander à ton monsieur la belle. Wende uliza ndugu yako ambaye anakuwa abe. Il prend maintenant l'huile. Ana kamata ile mafuta. Il dit tu vois ça? Anasema unaona hii? Oui, je vois. Ninaona. Il dit c'est l'huile que nous allons oindre les malades avec. Ni mafuta ambayo tunapaka wagonjwa. Mais son vrai nom,
Lakini jina nzuri ya hii mafuta. C'est le stimulant de la mort. Ni ya kukusogeza kabisa kwa kifo. Le stimulant de la mort. Ni ya kuvutisha ya kuvutia kifo. Il me dit, écoute. Ananiambia asikia. Quand nous donnons ces communions aux gens, wakati tunapana hii ukaristia, ils sont déjà morts. Wamekwisha kufa. Ils sont morts. Wamekufa. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Nini ya, ili ambayo ujue ni quand nini? Quelqu'un meurt aujourd'hui, kama mtu anakufa leo, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est mort. Si kwa leo alikufa. Il peut mourir déjà, ça fait déjà deux ans. Anaweza kufa miaka mbili ba. Spirituellement. Mbele kiroho. Il peut mourir déjà, ça fait trois ans anaweza spirituellement. Anaweza kufa kiroho miaka tatu. Aujourd'hui, maintenant, la chair tombe na, maintenant. Kwa leo sasa mwili na kufa. Et vous vous dites, oh, c'est maintenant qu'il est mort. Na wewe unasema labda ni leo alikufa. Hapana leo. D'ailleurs, si tu as la, si tu as le don de la vision profonde. Ikiwa nakuwa na ile jicho la ndani kabisa. Parce que il y a trois catégories de dons de vision. Kunakuwa pia ile karama tatu ya kuona. Il y a trois catégories de dons de vision. Kunakuwa karama tatu ya kuona. La première. Ya kwanza. C'est le don de vision. Ni karama ya kuona. Qui se manifeste. Ambayo inaonekana. Lorsque tu dors. Wakati unafariki. Dieu ouvre tes yeux. Mungu anafungua macho tu yako. Tu vois des choses. Unaanza ona le mambo. Le matin tu te réveilles. Unaamuka asubuhi. Tu dis cette nuit j'ai vu ceci. Unasema usiku niliona hiki. Niliona hiki. Vous voyez cela? Unaona ile? Vous voyez cela? Dis à ton voisin, as-tu déjà vu ça? Ambia ndugu yako umekusha kuona ile? Dis à ton voisin, tu as ce don là, tu as ce don. Umekusha kuona ile? Parce que ce don là, presque même 70% des gens ça. 70%. Ni karibu pourcentage makumi tano. La deuxième catégorie de cette de vision. Sehemu ya pili ama modele ya pili. La vision qui se manifeste. Ni kuona ambayo inatokea. Lorsque nous sommes dans l'église. Wakati tunakuwa ndani ya kanisa. En train de prier. Tunaomba. Dieu peut ouvrir les yeux d'une personne. Mungu anaweza fungua macho ya mtu mmoja. Il peut voir des choses na, ici. Na anaanza kuona mambo huko. Comme nous sommes là. Na tuko pale. Dieu peut ouvrir les yeux d'une personne. Anaweza fungua macho. Il peut voir na, des choses. Anaanza kuona mambo mengine hapa. Ça. Ile. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Aipati, Mungu aipati kila mtu. Et la troisième catégorie. Na, sehemu ya tatu. On appelle ça le don de la vision profonde. Eh, wanaita karama ya kuona ya kindani kabisa. La personne n'a pas besoin de dormir. Mtu ana haja ya kulala. La personne n'a pas besoin d'être à l'église. Mtu ana haja ya kuwa kanisani. La personne n'a pas besoin de prier même. Mtu ana haja ya kuomba. Pendant la journée comme ça. Kati ya mchana hivi. Sur la route. Ndani ya barabara. Au marché. Kwa soko. Dans un bureau. Ndani ya bureau yake. Dieu peut ouvrir ses yeux. Mungu anaweza kufungua macho yake. Il voit aussi des choses. Na anaanza ona mambo. Vous voyez cela? Lui, il n'a pas besoin de dormir. Ana haja ya kulala. Il n'a pas besoin d'être à l'église. Ana haja ya kwenda kanisani. Il n'a pas besoin de prier. Hata ya kuomba. Même pendant la journée lakini comme ça. Lakini mchana hivi tu. Il marche. Anatembea. Sur la route. Ndani ya barabara. Même dans le marché. Hata msoko. Dieu ouvre ses yeux. Mungu anafungua macho. Il voit des choses. Anaanza ona mambo. Mais ce troisième catégorie de vision. Hii hali ya tatu ya kuona. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Mungu haipatie kila mtu. Il donne seulement aux gens. Anaipatia kwa watu. Qui n'ont pas la colère. Ambao hawana hasira. Qui n'ont pas la colère. Wale ambao hawana hasira. Qui n'ont pas la colère. Hawana hasira. Et qui ont l'amour avec. Ambao wanakuwa na upendo kati ya wengine. Quand tu es tellement colérique. Kama unakuwa na hasira sana. Même si tu pries comment. Hata unaweza omba je. Même si tu chantes comment. Hata unaweza funga je. Pour que Dieu te donne ce don là. Mungu hawezi kupatia ile. Dieu te donnera jamais ça. Hata kupatia ile. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Naelewa ile? Quelqu'un comprend cela? Naelewa ile? Quelqu'un comprend cela? Unaelewa? Si tu es tellement colérique. Kama unakuwa mkali kabisa. Même si tu pries comment? Hata unaomba namna gani? Tu jeûnes comment? Hata unafunga je? Dieu ne te donnera pas ce don. Mungu hawezi kupatia ile karama. Pourquoi? Sababu gani? Parce que tu risques de tuer tout le monde. Sababu unaweza uwa watu humu. Comme tu es colérique. Sababu unakuwa na hasira. Tu vas tuer tout le monde. Utaua watu. Parce que ta parole compte. Sababu ta parole compte, ta parole. Masemi yako. Pas la parole de Dieu, non. Ta parole à toi. Masemi yako wewe. Ta parole à toi, pas la parole de Dieu. Ta parole à toi. Ce que tu dis, ça compte.
Masemi yako we ina esabika. Il suffit que tu te mets, il suffit que tu te fâches contre une personne, la personne est déjà mort. Sirikie mutu, anaweza fariki. Il est déjà mort. Anaweza fariki. Il peut faire un accident et puis il meurt. Anaweza kufanya ajali na mara moja anakufa. Et comme Dieu sait que tu as la colère, na sababu Mungu anajua kwamba unakuwa na hasira, nikimpatia ile karama anaweza kuua watu wote. Tu vas tuer tout le monde. Anaweza uua watu. Alors Dieu dit non pour ne pas que tu tues tout le monde. Mungu anasema pari ya kuua watu yote. Je ne vais pas te donner ça. Sitampa ile karama. Donc Dieu ne donne que aux gens qui n'ont pas la colère. Mungu anapatia wale ambao hawana hasira. Et qui manifeste beaucoup l'amour. Na wale ambao wanakuwa na upendo kabisa. L'amour. Upendo. Qui aime les gens. Watu ambao anapenda wengine. Là Dieu va te donner. Pale Mungu anaweza kupatia ile karama. Alléluia. Amen. Alors le père supérieur dit. Ule padiri mkubwa anasema. Quand nous leur donnons cette scène. Kama tunawapa hii Eucharistia, Eucharistia ambayo inakuwa ya kifo. Ils sont déjà morts déjà. Tayari wamekusha kufa. Tayari wamekufa. Mon ami, un païen, mpagani, même s'il est bien habillé, hata kama anavaa vizuri, même s'il conduit une voiture, hata anatembeza gari, c'est un cadavre. Ni mufu. C'est un cadavre. Ni mufu. C'est un cadavre. Ni mufu. Il se peut que ton mari, il se peut que ton mari c'est un païen. Labda mume wako ni mpagani. C'est un cadavre. Ni mufu. Et tu es en train de dormir sur un cadavre sur le na même lit. Na lala na mufu kwa kitanda moja. Akiwa mpagani. C'est tout comme tu peux dormir avec ta femme qui est encore païenne. Ni vile vile unaweza kulala na bibi yako ambaye anakuwa mpagani. Cadavre. Ni mufu. Sur le même lit. Kwa kitanda kimoja. Et c'est fort possible que tu es en train d'embrasser même un cadavre sans le savoir. Bila wewe kujua. Chérie, chérie, chérie. Unawaza unakuwa na mke wako ni kumbe ni mufu. Il dit qu'ils sont ce sont des cadavres. Wengi wanakuwa mamaiti. Rappelez-vous au début. Mukumbuke tangu mwanzo. Dans l'école de la magie romaine que je vous ai déjà expliqué. Muile mafasirio ya magie romaine ambayo niliwafasiria mbele. Le diable a dit. Shetani alisema. Ici sur la terre. Hapa chini ya jua. 95% des gens lui appartient déjà. Pourcentage makumi kenda na tano ni yangu mie shetani. Donc sur la terre. Chini ya jua. Il y a plus de morts, de cadavres que de vivants. Wengi sana lakini wangana tembea. Il y a plus de cadavres que de vivants. Ni wafu wanakuwa wengi kuliko watu ambao wanakuwa wazima. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir même les gens qui passent là. Kama Mungu angekufungua macho uone watu ambao wanaendelea kupita. Un cadavre vraiment qui passe. Unaona mufu anatembea. Mufu anatembea. Et le père supérieur me dit. Yule padiri mkubwa ananiambia. Charles. Charles. Quand on viendra nous appeler. Wakati watakuja kutuita. Pour aller prier pour une malade. Kwa kwenda omba kwa ajili ya mgonjwa. Je partirai avec toi. Nitaenda na wewe. Mais je te dis déjà. Lakini ninakwambia quand mbele, on ira. Wakati tutaenda. Et quand je vais lui donner le biscuit de la mort. Wakati ninampatia hii biscuit ya kufa. Et que je vais lui donner maintenant les stimulants de la na mort. Na wakati nitampatia ile uvutio ya kifo. Tu ne dois pas regarder derrière. Usiangalie nyuma. On doit partir vite. Tutajiendea yetu haraka. Parce que la personne va immédiatement mourir. Sababu ule mutu atakufa tu. Il va mourir. Atakufa tu. Ne regarde pas derrière. Usiangalie nyuma. As-tu déjà vu un prêtre qui est allé prier pour une malade et puis le malade est guéri? Shaona padiri ambaye anaenda omba kwa ajili ya mgonjwa na anapona ule mgonjwa. Tous ces gens-là que les prêtres partent pour prier pour eux. Wale wote ambao padiri anaenda ombea wanaendaka, wanakufaka. Ils meurent toujours. Wanakufaka tu. C'est pas comme nous les pasteurs. Haiko sawa sisi wachungaji. Tu es malade. Uko mgonjwa. Le pasteur vient prier pour toi. Mchungaji anaomba juu yako. Tu es guéri. Unapona. Tu viens à l'église, tu témoignes. Unakuja kwa kanisa unashuhudia. Là-bas. Lakini wale. Tous ceux-là que les prêtres partent là-bas prier pour. Wakiombea tu pa. Que ça soit dans les maisons. Hata kwa nyumbani. Hata kwa hospitali. Wanakufa tu. Alors, deux semaines plus tard, juma mbili baadaye, il y a un jeune homme qui est venu maintenant chercher le père. Mtu mmoja alifika kutafuta padiri. Mon père,
Akasema padiri. Mon papa est malade à la maison. Baba anakuwa mgonjwa nyumbani. Allez prier pour lui. Enda omba kwa ajili yake. Alors, le père supérieur m'appelle. Baba mkubwa akaniita. Il a dit Charles. Akasema Charles. Je t'ai déjà parlé. Nimekwisha kukwambia. Nous partons maintenant. Tunaenda kule. Lala. Kule. Nous partons pour tuer quelqu'un. Tunaenda uwa. Il prend le biscuit de la mort, il me donne. Il prend l'huile. Le simulon de la mort, il me donne, il dit, tiens ça. J'ai pris ça. J'ai mis ça dans la voiture. Il est monté. Le jeune homme est monté. J'ai démarré. On arrive. On a garé la voiture à côté de la route. Gari pembeni. Nous sommes entrés dans le quartier. Ndani ya quartier. J'ai pris le biscuit de la mort. Avec lui, là, kufa, le segment de la mort. Nous sommes partis. Nayo. On arrive. Tukafika. Dès que nous sommes arrivés, wakati tulifika, nous sommes entrés dans la maison. Ndani ya nyumba. On a trouvé le papa tukakutana baba, dormir sur une natte au salon. Analala kwa kirago kwenye salon ya kwake. Alors le père supérieur me regarde. Ule padiri mkubwa ananiangalia. Je le regarde. Ninamwangalia. Il prend le biscuit entre mes mains. Anachukua ile biscuit ambayo nilikuwa nayo. Il donne au papa. Anapatia ule baba. Quand le papa commence à manger le biscuit. Wakati baba alitumia ile biscuit ya kufa. J'ai observé sur ses yeux. Nikaangalia ndani ya macho yake. Bien, ça ne va pas. Mukakuwa mambo ambayo yaendeke. Il prend encore l'huile entre mes mains. Anakamata ile mafuta na mkono wangu. Ile ambayo inasukuma mtu kufa. Il met ça sur son front. Akamfanya msalaba kwa sura. Il a mis ça sur son front. Wakati alitia msalaba kwa sura. Il a regardé le papa. Nikaangalia baba yule. Il commence à manifester la mort déjà. Akaanza onyesha alama za kifo. Alors le prêtre me regarde. Padiri akaniangalia mkubwa. Directement il se met en route. Tukaenda mara moja. Et moi aussi je me suis mis derrière. Na mimi nikamfuata. On a commencé à marcher. Tukaendelea yetu. À quelques mètres seulement. Kisha muda mfupi tu kidogo. Le jeune homme commence à courir derrière nous. Yule kijana anakuja nyuma yetu. Mon père, mon père. Padiri mkubwa, padiri. Ngoya. Alors le père qui dit Charles. Charles, je t'ai déjà dit. Niise ukwambia. Tu regardes derrière. Ukiangalia nyuma. C'est ton problème. Ni shida yako. Pourquoi on ne devrait pas regarder derrière? Kwa nini hatupashi kuangalia nyuma? Pourquoi? Kwa nini? Parce que la personne qui est en train de mourir, sababu yule mtu ambaye anaenda kufa, si nous regardons derrière, ukiangalia nyuma, son esprit va nous suivre à la paroisse, ça va pas nous déranger. Itatufuata mpaka kwenye tunaenda kwa parokia kutusumbua. Voilà pourquoi on ne doit pas regarder derrière. Maana atupashe kuangalia nyuma. Si tu regardes derrière. Ukiangalia nyuma. Comme il va mourir. Wakati atakufa. Son esprit va te suivre à la paroisse. Roho yake itakufuata mpaka kwa parokia yetu. Pour te déranger. Kukuuzi kule. Alors le père me dit Charles. Eh, padiri mkubwa ananiambia Charles. Je t'ai déjà parlé. Tayari nimekuambia. Lala c'est toi. Eh, fanya angalisho. Tu veux regarder derrière, c'est ta problème. Ukiangalia nyumba ni byako. Lui, ye mbele kabisa. Et moi aussi derrière. Na mimi ninamfuata. Le garçon aussi. Ule kijana naye. Ule qui le rentre. Bari arudie. Il est toujours derrière nous. Akatufuatilili kabisa. Wa padiri, 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 padiri. Malgré qu'on ne s'occupait pas de lui, au lieu qu'il nous laisse tranquille, alors, le père supérieur qui dit Charles. Yule padiri mkubwa kaniambia Charles. Comme il est en train de courir derrière nous. Pressons les pas vite. Eh, nasie tuende haraka. Allons vite, vite. Tuende haraka. Alors, nasie tukaongeza kabisa vitesse. Nous sommes arrivés, j'ai ouvert fika, le portail. Gari mara moja. Je suis entré dans la voiture, le père est rentré. Ingia, na tukawacha mara moja na tukaenda. Nous sommes partis. Tukaenda. Mais en arrivant seulement comme ça à la paroisse. Wakati tulifika kwa parokia. Le temps de descendre dans la voiture. Kwa kushuka ndani ya gari. Le garçon est arrivé. Ule kijana tayari amefika. Il est arrivé. Amekwisha kufika. À la paroisse. Ku paroisse. Il dit, mon père. Anasema padiri. Le papa est mort. Baba amefariki. Il est mort. Amefariki. Alors, le père qui dit que Dieu prend son âme. Bwana tu apokero yake. Que Dieu prend son âme. Bwana apokero yake. Et en disant ça, il me regarde dans les yeux. Wakusema ile ananiangalia kwa macho. En disant ça, le père me regarde dans les yeux. Wakusema ile ananiangalia kwa macho. Que Dieu prend son âme. Bwana apokero yake.
Mon ami, Mpendwa, écoute-moi. Nifuate. Non seulement c'est le prêtre qui a tué ton papa. Si, pas dire tu dois baba. Mais toi aussi tu as tué na aussi. Na et puis auliwa. C'est toi qui as tué ton papa. Ni wendo liwa baba yako. Parce que c'est toi qui es venu chercher le prêtre. Ni wendo likatafuta padiri. Si tu ne serais pas venu chercher le prêtre. Aungi kutafuta padiri. Ton papa n'allait pas mourir. Baba yako angikufu. Donc et le prêtre et toi vous partagez la même vie. Padiri pamoja na wewe mlikia mtafuta nyewe wote mnagabulana ile kifo ya ule baba. Vous partagez la même sorte. Munagabulana ile ajali mnatenda pale. Mon ami, mpendwa, sois jaloux de la position que tu as ici en Christ. Uwe na wivu ya ile hali ambayo unakuwa nayo ya Ukristo. Sois jaloux. Uwe na wivu ya ile Ukristo. De cette position que tu as ici en Christ. Ya ile uamuzi ambao unakuwa nayo ndani ya Kristo. Sois jaloux. Uwe nayo jaloux. Wivu. Soyez jaloux. Uwe na wivu ya jinsi ulivyo mkristo. De ta position ici. Uwe na wivu ya jinsi ulivyo mkristo. Une manière de dire. Ni hali ya kusema. Personne ne te déloge pas d'ici. Mtu asikutoshe hapa. Nah. Mtu asikutoshe hapa. Dis ça à ton voisin. Ambia jirani yako vile. Que personne ne te déloge d'ici. Mtu asikutoshe ndani ya kanisa la Mungu. Ambia jirani ile. Aujourd'hui, Léo, je suis dans la joie. Ninakuwa katika furaha. Parce que là où je suis, sababu hapa niliko, là où je suis, hapa niliko. Oh, personne ne peut me déloger. Hakuna mtu anaweza kuniondoa. Là où je suis, hapa ambako niliko. Je suis là où Dieu veut que je sois. Ninakuwa pale ambao Mungu alitaka nikuwe. Je suis là où Dieu veut que je sois. Niko pale ambako Mungu alitaka nikuwe. Eh, mon ami. Eh, mpendwa. Dis tout ce que tu veux dire. Sema yote ambao nataka kusema. Dis tout ce que tu peux dire. Sema yote ambao nataka sema. Mais je resterai à ma position. Lakini ninabaki hapa tu. Je resterai à ma position. Ninabaki hapa tu. Je resterai à ma position. Ninabaki hapa tu. La Bible dit. Maandiko nasema. Jésus a dit à Thomas. Yesu alisema kwa Tomaso. Je suis. Ninakuwa. Le chemin. Njia. Je suis. Ninakuwa. La vérité. Ukweli. Je suis. Ninakuwa. La vie. Uzima. Alléluia. Personne ne peut aller chez le Père sans passer. Alléluia. Hakuna anaweza enda kwa Baba asipopita kwangu mimi. Oh, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Kwata. Si Jésus-Christ. Kama Yesu Kristo. Il est le chemin. Anakuwa njia. Qui mène au Père. Ambaye naenda kwa Baba. Moi. Mimi. Moi. Mimi. Je suis le chemin. Ninakuwa njia. Qui mène vers Jésus. Ya kwenda kwa Yesu Kristo. Je suis le chemin. Ninakuwa njia. Qui mène vers Jésus. Ya kwenda kwa Yesu Kristo. Et Jésus. Na Yesu sasa. Il est le chemin qui mène au Père. Njia ya kwenda kwa Baba. Hallelujah. Il n'y a pas seulement que Jésus qui a le chemin. Aiko tu Yesu ndiye anakuwa njia. Moi aussi. Na mimi pia. Moi aussi. Na wewe pia. Je suis le chemin. Na mimi ninakuwa njia. Neno a Jésus. Ambaye naenda kwa Yesu Kristo. Et quand ça arrive à Jésus. Na wakati ninafika kwa Yesu Kristo. Jésus prend le relève. Yesu ndiye ananichukua. Sasa sopana kwa Baba. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa ile? Tu comprends ça? Unaelewa? Il n'y a pas seulement que Jésus qui est le chemin. Si Yesu peke yake. Dis à ton voisin, moi aussi je suis le chemin. Ambia ndugu yako na mie pia ninakuwa njia. Na mie ninakuwa njia. Moi aussi. Na mie pia. Je suis le chemin. Ninakuwa njia. Un chemin? Njia. Qui mène vers Jésus. Ya kwenda kwa Yesu. Je te prends. Ninakuchukua. Je t'amène à Jésus. Ninakuleta kwa Yesu. Ma mission est finie là. Eh, Yesu ko pale. Jésus maintenant. Yesu sasa. Il prend les six. Anakuchukua na ye. Il mène sa vers son père. Kwa Baba. Alléluia. Tu es appelé. Unaitwa. Tu es qualifié. Unahakikishwa. À être. Kuwa.
ce que les gens ne pourront jamais être. D'ici watu awapashe kuwa. Écoute, je suis celui-là. Ninakuwa mtu yule. Sur qui l'humanité doit reconnaître que Dieu est Dieu. Ninakuwa mtu yule ambaye kupitia mimi dunia yote itajua ya kwamba Mungu ni Mungu. Oh, écoute-moi. Je ne suis pas n'importe qui. Niko mtu wa kawaida. Je suis celui-là. Niko mtu yule. Si on doit voir Dieu. Kama banataka kumuona Mungu. On le verra. Wanamuona Mungu. Regarde ma vie. Kupitia mie maisha yangu. Maisha yangu. Kupitia maisha yangu. Il a dit à Thomas. Akambia Tomaso. Tu me poses une question. Unaniuliza swali. Montre-nous le Père. Nionyeshe Baba. Depuis que je suis avec vous. Tangu wakati niko nanyi. Vous n'avez jamais vu le Père. Kamwe muona Baba. Celui qui m'a vu. Mwenye ananiona. Il a vu déjà le Père. Anaona Baba tayari. Moi je suis dans le Père. Kama ninakuwa kwa Baba. Na Baba iko ndani yangu. Et toi. Na weye. Et toi. Na weye. Tu as ce Jésus en toi. Unakuwa na Yesu ndani yako. Non seulement que tu as Jésus en toi. Unakuwa na Yesu ndani yako. Tu as aussi le Père en toi aussi. Unakuwa na Baba ndani yako. Tu as aussi le Père aussi en toi. Unakuwa na Baba ndani yako. Tu as Jésus. Tu as le Père aussi. Na Yesu pia ndani yako. Prends conscience ce soir. Jaribu kujiangalia jioni ya leo. De ce que tu es en Christ. Na jinsi unakuwa katika Kristo. Prends conscience de ce jaribu que tu es en Christ. Jaribu kuangalia jinsi ulivyo ndani ya Kristo. Prends conscience jaribu de ce que tu es en Christ. Jaribu kuchunguza jinsi ulivyo ndani ya Kristo. Et prends conscience aussi. Jaribu kuchunguza de pia. De ce que tu es en Christ. Jinsi ulivyo na Kristo. Car sababu. Si tu veux avoir la personnalité en Christ. Kama unataka kupata utu wako ndani ya Kristo. Fais ce calcul mathématique. Jaribu kufanya mahesabu. Qui suis-je? Niko nani mimi? Plus. Niko nani? Qu'est-ce que j'ai? Ninakuwa na nini? Égal. Nina personnalité. Inakuwa utu wangu. Tu comprends ça? Mnaelewa ile? Quand tu arrives à répondre à cette question là. Kama unafikia kujibia kwa swali lile. Qui suis-je moi en Christ? Ninakuwa nini mimi kwa Yesu Kristo? Plus. Kuongeza. Qu'est-ce que j'ai en Christ? Ninakuwa na nini ndani ya Kristo? Ça te donne immédiatement. Inakupatia jibu. Oh mon ami, immédiatement. Mara moja jibu. La personnalité. Inakupatia utu wako. Immédiatement. Mara moja inakupatia jibu. Tu n'es plus comme les autres. Hauko sawa sawa na watu wengine. Immédiatement. Mara moja. La différence t'accompagne. Tofauti inaonekana. Immédiatement. Mara moja. Tu deviens unique. Unakuwa mtu wa upekee. Tu deviens unique. Unakuwa mtu wa upekee. Mon ami, tu es unique. Unakuwa mtu wa upekee mara moja. Amena. Plusieurs des enfants de Dieu wengi kati ya watoto wa Mungu ne se connaissent pas encore. Hawajijue bado. Plusieurs des enfants de wengi Dieu kwa watoto wa Mungu ne se découvrent pas encore. Hawajijigundua bado. Mon ami, découvre-toi. Jigundue mpendwa. Jigundue mpendwa. Et le diable aura peur de toi. Jigundue mpendwa. Découvre-toi. Ujigundue. Et le diable aura peur de toi. Shetani ataogopa. Hey, écoute-moi. Le diable. Shetani. Il a peur seulement. Anaogopa. Des gens là qui se découvrent. Wale watu ambao wanajijua. Des gens là qui se connaissent. Wale watu ambao wanajielewa. Quand tu te connais là. Kama haujielewe. Tu deviens dangereux pour le diable. Unakuwa kikoropo kwa shetani. Ikiwa ujijue. Découvre toi-même. Ujigundue. Tu n'es pas n'importe qui. Hauko mtu wa kawaida. Je suis le chemin. Ninakuwa njia. Qui mène vers Jésus. Ambayo inaenda kwa Yesu Kristo. Et cela se justifie aujourd'hui. Na ile naji acha wazi kwa leo. Beaucoup de gens dans le monde. Wengi ndani ya dunia hii. Parce que j'ai fait 20 pays de l'Afrique. Nimekwisha kutembea ndani ya nchi 12 katika Afrika hii ya kwetu. Ici en RDC. Umu ndani ya nchi ya Congo. Il me reste 3 provinces. Unabakia province 3 nimalize yote Congo mzima. Tu veux savoir? Unataka kujua? Le nombre de gens que j'ai amené à Jésus? Hesabu ya watu ambao nilileta kwa Yesu? Et que Jésus a pris aussi pour amener à son père? Na wale ambao Yesu alichukua kubeba kwa baba? Toi aussi. Na wewe pia. Tu peux aussi être le chemin qui mène à Jésus. Unaweza kuwa njia ya kwenda kwa Yesu Kristo. Toi aussi. Wewe pia. À travers ta vie. Kupitia maisha yako. Tu peux amener les gens. Unaweza kuleta watu kwa Yesu Kristo. Écoute-moi. Jésus n'attend que tu te mets à l'œuvre.
Yesu anataka ya kwamba uingie katika kazi. Pour son royaume. Uingie katika kazi. Le christianisme. Ukristo. Ce n'est pas seulement chanter. Aiko kuimba tu. Le christianisme. Ukristo. Ce n'est pas seulement danser. Aiko kucheza tu. Le christianisme. Ukristo. Ce n'est pas seulement parler langue rabakatarama kusema tu kwa lugha. Le christianisme. Ukristo. C'est le caractère. Ni tabia ambazo naziishi ndani. Tabia ambazo naziendea. C'est le caractère. Ni tabia ambazo nazipitia. C'est le caractère. Mwenendo wako. Et ton caractère. Ile mwenendo wako. Génère ton comportement. Tabia zako. Et ton comportement. Na ile tabia yako. Donne naissance à ton attitude. Inaleta utu wako. Et ton attitude. Na utu wako. T'amène dans l'altitude. Inakubeba kwa hali ya juu. Veille sur ton caractère. Angalia tabia zako wako. Veille sur ton comportement. Kesha kwa ajili ya tabia yako. Veille sur ton attitude. Kesha kwa ajili ya hali yako. S'il y a une prière. Kama kuna kwa maombi. Que tu peux faire à Dieu. Unaweza kufanya kwa Mungu wetu. C'est celle-là. Ni ile. Père. Baba. Prends soin. Uniwezeshe. Prends soin. Uniwezeshe. Prends soin. Niwezeshe. De mon cœur. Roho yangu. Et cela me suffit. Na ile nanitosha. Parce que ça soit le caractère. Kwa kupitia tabia yako. Que ça soit le comportement. Kwa kupitia tabia yako. Que ça soit l'attitude. Ikikuwa hali yako. Que ça soit l'attitude. Ikikuwa hali yako. Tout cela. Ile yote. Provient du cœur. Inatokana ndani ya moyo. Du cœur de l'homme. Ndani ya moyo wa mtu. C'est du cœur de l'homme. Ndani ya roho ya mtu. Le caractère. Ndio mnatokea tabia za mtu zote. Que Dieu prenne soin de ton cœur. Bwana akeshe kwa ajili ya roho yako. Et on t'appellera l'ami de Dieu. Utaitwa mpendwa wa Bwana. Et on t'appellera l'ami de Dieu. Utaitwa mpendwa wa Bwana. Et on t'appellera l'ami de Dieu. Utaitwa mpendwa wa Bwana. On a dit de Abraham. Walisema kwa ajili ya Abraham. Un ami de Dieu. Rafiki wa Mungu. Un ami de Rafiki wa Mungu. Nous allons prier. Tutaomba Mungu. Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. Nous allons prier. Tutaomba Mungu. Mon ami. Mpendwa. Tu as déjà entendu. Umekusha kusikia. Tu as déjà entendu. Umekusha kusikia. Refuse de mourir païen. Kataa kufa mpagani. Mais c'est possible. Inawezekana. Que même si tu as mangé ces choses-là. Hata kama ulitumia mambo yale. Même si tu es mort déjà. Na, même si tu as déjà mangé déjà le biscuit de la mort. Kula ile mara mingi. Le similar de la mort. Ile tu es déjà mort. Ile Eucharistia umekwisha ikula. Mais il y a quelqu'un. Lakini kuna kuwa yule. Il y a quelqu'un. Kuna kuwa yule. Lui. Yule. Lui. Yeye. Il n'est pas la vie. Ana uzima. Il n'est pas la vie. Ana uzima. Lui-même il est vie. Lui-même il est vie. Yeye peke yake ni uzima. Si tu reçois Jésus. Kama unapokea Yesu. De Nazareth. Wa Nazareti. Tu auras la vie ce soir. Utakuwa na uzima. Tu auras la vie ce soir. Utakuwa na uzima jioni ya leo. Si tu es là. Kama uko pale. Et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Na bado hujapokea Yesu Kristo. Au travers l'eau du baptême. Kupitia siku ya leo. Par immersion. Kupitia siku ya leo. Voilà. Ubatizo wa maji mengi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus par le baptême par immersion. Kama hujawahi kupokea Kristo kupitia ubatizo. Voilà Jésus qui t'appelle. Ona Yesu sasa anakuita. Si tu es là. Kama unakuwa pale. Je vais te voir déjà debout. Ninataka nikuone mara moja wima. Je vais te voir déjà debout. Ninataka nikuone mara moja wima. Je vais commencer à compter 1 à 4. Nitaanza kusabia mpaka 4. 1 jusqu'à 4. Moja mpaka 4. Tu te mettras directement debout vite. Kama unashimama mara moja ukuje kwa Yesu. 1. Moja. 2 mbili 3 tatu fika mara moja kwa Yesu Kristo 4 que Dieu vous bénisse Bwana akubariki fika